Et messieurs les vice-présidents et vice-présidentes, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, j'ouvre cette séance du conseil communautaire en saluant bien entendu celles et ceux qui nous font le plaisir et l'honneur, comme à chaque fois, de nous suivre de manière télévisée. Nous avons, à l'ordre du jour de la séance de ce soir, plusieurs sujets importants, bien entendu une partie, cher Olivier, budgétaire qui nous permet à la fois de démontrer à nouveau, s'il était nécessaire, que les finances de la communauté de communes sont extrêmement saines, elles sont tenues rigoureusement et qui plus est, nos engagements en termes d'investissement sont tenus. Et ils sont tenus surtout, et je le redis parce que c'est important, à travers le fonds de soutien et de solidarité à destination des communes, dont nous voterons une tranche de programmation aujourd'hui. Et je le redis, c'est chaque année plus d'1,5 million, on était parti avec un fonds de 2 millions d'euros, qui sont consacrés à l'investissement dans les communes. Et je le dis puisque c'est un changement important dans la manière de voir notre communauté de communes, que de consacrer une partie de notre investissement à faire confiance aux maires et à leurs conseils municipaux pour accompagner leurs projets, qui plus est sur certains sujets dont nous avons fait le constat, parfois d'une carence de nos cofinanceurs. Je pense bien entendu aux sujets routiers, qui sont des sujets extrêmement importants et pour lesquels j'ai coutume de rappeler pour autant que même le jour où l'ensemble de nos véhicules seront tous électriques, on aura toujours besoin de routes pour s'y transporter. Et qui plus est en montagne, chacune et chacun d'entre vous le sait, à quel point ces sujets sont difficiles. Et puis, deux dossiers importants aujourd'hui qui avancent. Le premier, cher collègue, cher Jean-Marc, mais surtout, mesdames et messieurs, les maires qui sont actionnaires de la société publique locale au service Haute-Durance, la fin, si j'ose dire, des épisodes de sauvetage de la SPL, puisque nous validons aujourd'hui, et cela a été validé à l'unanimité par le conseil d'administration de la SPL, l'ensemble des opérations de sauvetage qui nous permettent, un, de rembourser Suez. Et je le dis, cet exécutif communautaire, ce conseil, pourra se dire qu'il a une parole. Voilà. Nous étions dans une situation où le client payait son eau et son assainissement, et l'assainissement n'était jamais rendu à Suez. On faisait de la trésorerie sur le fil d'une entreprise, et cette situation-là n'était pas acceptable. Nous avons remboursé la totalité de nos dettes, en commençant par rembourser la totalité de nos dettes aux communes, puisque nous ne payons pas non plus, à l'époque, l'eau aux communes. Je le dis au maire de Monnetier, je le dis au maire de Villers-Saint-Pancras, à l'ensemble des communes qui étaient concernées et qui, en plus d'être concernées, je le dis, ont fait preuve d'une énorme solidarité. Et je voudrais les en remercier parce que l'ensemble des communes ont bien voulu faire des efforts. Certaines ont bien voulu, aux côtés de la ville de Briançon, renforcer leur actionnariat au capital de la société, ce qui nous a permis, à travers 800 000 euros d'avance de trésorerie de la ville de Briançon, confortée par des montées en capital, de sauver la société, de sauver les emplois et les familles de nos villes et nos villages qui y travaillent, et aussi, accessoirement, de ne pas augmenter d'un seul centime le prix de l'eau pour l'usager. Et aujourd'hui, nous consacrons aussi l'un des emprunts à notre plan d'investissement qui nous verra continuer le travail de réparation du réseau dont nous avons découvert qu'il n'était pas au niveau de sécurisation que nous espérions, puisque c'était ce qui était annoncé. Et nous continuons ces travaux et nous investissons sur un certain nombre de réseaux. Donc on peut s'en satisfaire. Et je voulais vraiment à la fois remercier l'ensemble des communes actionnaires, saluer vraiment les communes qui ont bien voulu se joindre à nous dans l'aventure à ce moment-là, mon cher Guy, cher Olivier, cher tous, je le dis, parce que ce n'était pas évident de se joindre à nous à ce moment-là de l'aventure. Mais ça démontre la solidité et la solidarité de notre communauté de communes. Et sur une ressource telle que l'eau, dans cette période que nous traversons, on voit bien la sécheresse arriver, on voit bien les difficultés pour toutes les communes, tous ces sujets-là sont extrêmement importants. On verra ce qu'il adviendra de la compétence eau et de son intercommunalisation programmée ou pas. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un outil public pour gérer un bien public essentiel qui s'appelle l'eau, et elle est produite dans nos montagnes. Voilà. Et je crois que nombre d'entre nous, même si nous avons parfois et par le passé eu des idées et des positions différentes sur la situation, la société, etc., nous avons toujours été rassemblés sur l'idée que l'eau est un bien public essentiel et qu'il était essentiel de pouvoir le gérer à travers un outil dont nous étions les premiers propriétaires et à travers nous, le contribuable,
de chacune de nos communes. Aujourd'hui, la société publique locale, elle est sauvée. Et naturellement, en disant cela devant l'ensemble des maires, pour certains pas concernés, mais en tout cas, tout cela concerne le territoire éminemment. Je voudrais saluer le travail de la directrice, mais aussi, bien entendu, des agents qui ont souffert de cette période, et je voudrais vraiment les en saluer. Je terminerai en vous disant un mot rapidement, mais on en reparlera évidemment, du sujet centre social intercommunal, puisque c'est un dossier qui avance bien. Je voudrais saluer le travail d'Elisa Faure, mais aussi des maires qui ont bien voulu se joindre à l'aventure. Estelle Arnaud, la première, qui n'est pas dans cet hémicycle communautaire, mais qui, dans ses responsabilités de maire, s'est jointe à nous. Jean-Franck, un certain nombre d'entre vous, pour que nous travaillions à la définition d'un projet social qui touche l'ensemble des âges de la vie, de la petite enfance jusqu'au grand âge, avec l'idée de dire que, à nouveau là-dessus, ce que nous allions construire ensemble serait performant au service de nos concitoyens. Et surtout aujourd'hui, l'engagement que nous avions pris ensemble consistant à pouvoir dire aux salariés de la MJC Centre Social qu'il était hors de question que ce projet s'accompagne d'une quelconque casse sociale, justement. Et donc nous ouvrons l'ensemble des postes permettant à celles et ceux des salariés actuels de le faire, de rejoindre nos rangs. Et je crois que c'était un engagement social que nous tenons, de la même manière d'ailleurs que nous avons tenu cet engagement à la SPL, puisque dès lors qu'il s'agit de perdre des emplois, puisqu'il le fallait pour réduire les coûts de fonctionnement de la société, nous étions engagés à ce qu'il y ait 100% de reprise des emplois et que des solutions soient trouvées dans nos communes ou dans nos structures. Ça avait été tenu, ça avait été fait. Je crois qu'on peut en être fiers, parce que c'est aussi cela, la politique. Et la politique publique, si j'ose dire, c'est se préoccuper avant tout des femmes et des hommes qui sont derrière toutes les décisions que nous sommes amenés à prendre. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas être plus long. Je voudrais juste, avec le sourire et puis du fond du cœur, vous dire que nous sommes à quelques jours d'un très grand été. Je le dis en me tournant vers la vice-présidente au sport et puis vers les maires concernés, chère Corinne. On va vivre un très, très grand été. Je crois que vraiment, nous pouvons partager avec l'ensemble de nos concitoyens la fierté que de se dire que la plus grande épreuve sportive au monde, le Tour de France, verra sa plus grande étape qui emportera la décision de se tenir au col du Granon. Et le lendemain, le jour de la fête nationale, le 14 juillet, le départ de notre ville de Briançon vers l'Alpe d'Huez, étape, col éminemment mythique. Nous le vivons au quotidien, ça nous occupe d'ailleurs beaucoup, jusqu'à Val-des-Prés, puisqu'on a des connexions, des routes de secours, donc ça occupe tout le monde. Mais parfois, on sous-estime la fierté que cela doit être pour nous, une fierté immense. Voilà. Notre territoire, c'est cela. C'est un quotidien qui nous rend tous heureux et pour lequel nous œuvrons, mais c'est aussi une dimension nationale et internationale à travers l'ensemble des ambitions sportives, touristiques, économiques et nos immenses stations à la grande renommée. Je regarde Guillermite, parce que si je ne parle pas de Mont-Genèvre en ouverture de conseil communautaire, vous savez qu'il peut m'arriver derrière des soucis pendant l'heure et demie qui suit. Chers collègues et néanmoins amis, j'ouvre la séance en demandant à Marine Michel de bien vouloir procéder à l'appel, et s'il y a des prises de parole, je les donnerai naturellement. Merci, bonsoir à tous. Arnaud Murgia. Présent. Catherine Valdener. Présent. Éric Pétieux. Présent. Claire Barnéou est excusée et a donné son pouvoir à moi-même. Richard Nussbaum. Présent. Émilie Desmoulins est excusée et a donné son pouvoir à Annie Astier-Conversé. Christian Julien. Présent. Annie Astier-Conversé. Présent. Jean-Marc Iaponi. Présent. Elisa Faure. Présent. André Martin est excusé et a donné son pouvoir à Richard Nussbaum. Michel Skripnikov, pardon, est excusé et a donné son pouvoir à Catherine Valdener. Patrick Michel est excusé et a donné son pouvoir à Christian Julien. Maryse Xosa François. Présent. Thomas Schwartz. Présent. Gabriel Léon. Présent. Francine Dardenne. Présent. Jean-Franck Viujas. Présent. Jean-Pierre Pic. Présent. Jean-Marie Ré. Présent. Muriel Payan est excusé et a donné son pouvoir à Elisa Faure. Guy Hermite. Claudine Chrétien, présent. Pierre Leroy, présent. Vincent Faubert, présent. Corinne Chanfray, présent. Nicolas Galliano est excusé et a donné son pouvoir à Corinne Chanfray, Catherine Blanchard est excusée et a donné son pouvoir à Arnaud Murgia, Marine Michel présente, Aymeric Salle est excusé et a donné son pouvoir à Gilles Perly, présent. Thierry Aymar, présent. Olivier Fons, oui. Sébastien Fine, présent.
Jean-Pierre Masson. Présent. Et Patricia Arnaud. Présent. Merci à tous. Merci, le quorum étant atteint. J'ouvre la séance du Conseil communautaire. Il y a une prise de parole de Madame Dardenne. Est-ce qu'il y en a d'autres? Une de Monsieur Fons. Très bien. Madame Dardenne. Oui, merci. Bonjour. C'est juste pour vous expliquer. Je vous ai distribué un petit fascicule qui s'appelle « Vos courses zéro déchet dans le Briançonnais ». C'est un petit document qui a été construit après un travail de plusieurs mois par des citoyens qui travaillent dans le cadre du Club Climat du PETR. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les clients puissent aller faire leurs courses dans les magasins de Briançon en apportant leurs récipients ou leurs sacs ou leurs sachets, et donc pour éviter encore des nouveaux déchets qui n'ont pas forcément lieu d'être. Il y a un certain nombre de commerçants sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes qui ont accepté donc de jouer ce jeu, que ce soit à Montgenèvre, que ce soit dans la vallée de la Guisane ou dans Briançon même. Et donc, il est construit de telle sorte qu'on puisse retrouver assez rapidement les magasins qui acceptent de jouer ce jeu-là. Voilà. Et donc, il a été financé, ce petit document a été financé par l'ADEME et par le PETR. Eh bien, merci donc, beaucoup, Madame Dardenne. Et on en profite au passage pour féliciter les équipes du PETR, mon cher Pierre Leroy, et confirmer naturellement les engagements de la communauté de communes sur l'ensemble de ces démarches environnementales, qu'elles soient du quotidien ou qu'elles soient un peu plus transverses. Mais on aura l'occasion très largement d'en reparler, puisque naturellement, le plan climat qui n'avait pas été adopté et que nous avons adopté l'année dernière s'accompagne désormais d'un vrai travail de déclinaison qui a fait l'objet, je voudrais remercier Pierre à ce sujet, de réunions dans toutes les communes de la communauté de communes et qui, je crois, ont été plutôt accueillis très positivement. En tout cas, je m'en félicite, tout égard à la responsabilité que nous avons dans ce domaine. Monsieur Olivier Fons. Oui, simplement pour dire que si à l'époque on n'avait pas rejoint la SPL, c'était eu égard à la situation financière difficile et qu'aujourd'hui le plan de sauvegarde qui est sérieux et qui est réaliste nous a engagés à jouer cette solidarité. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Il n'y en a pas, j'ai oublié personne. Je vous remercie, je vais donc ouvrir l'ordre du jour et vous demander s'il y a des questions sur le procès-verbal du dernier Conseil. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Avez-vous de la même manière des questions sur le compte-rendu des décisions du président du bureau sur les arrêtés? Oui. Oui, je veux juste une précision. Vu qu'on travaille sur les expérimentations en matière de mobilité, par rapport à la navette du LOS, j'ai vu qu'il y avait une convention de refacturation. Est-ce que vous pouvez donner le coût total de la navette? Combien de personnes ça a transporté? Et puis, j'ai une question par rapport au problème de compétence de la mobilité. Comment est-ce possible qu'une commune reverse sur une dépense de mobilité? Alors, c'est la communauté de communes qui a opéré, puisqu'elle a la compétence. Ouais. Là, en l'occurrence, pour être tout à fait concret, on s'est aperçu au bout de quelques jours que le véhicule utilisé était un peu petit. La demande du maire qui nous a été faite et sa proposition a été d'agrandir le bus. Il y avait un surcoût qu'il a proposé lui-même de prendre en charge, puisqu'on était déjà lancé. C'est pour ça qu'on le lui refacture et on le remercie. Le demandeur et le payeur. Et on le remercie. Pour ce qui est des statistiques, je ne les ai pas en tête, d'accord. Mais avant la fin du Conseil, je vous les communique. Ok, merci. Mais je suis étonnée que le trésorier... je suis tout à fait d'accord sur le principe, hein, je suis même d'accord, mais moi, c'est vrai que j'avais demandé de faire un complément, par exemple, sur la vallée étroite, que je prendrais à ma charge, et on m'a dit que ce n'était pas possible. Oui, mais qui est l'opérateur, là? Eh bien, c'est la communauté de communes. Et il faut que ce soit la communauté de communes qui demande le complément et qu'on le refacture derrière? Ben, moi, j'ai demandé et... J'ai pas le détail du dossier tel quel. Hein, ça me paraît. Enfin, sur le cas d'espèce, ça me paraît. Mais en tout cas, si c'est possible, ben, j'en suis heureuse pour les prochaines années. Très bien. C'était le principe des attributions de compensation.
Bon, on va vous donner tous les détails juridiques permettant de répondre à votre question précisément. Et puis surtout, on va vous donner le montant naturellement du marché et la fréquentation qui, de mémoire, a été plutôt excellente, avec un retour qui a été bon, même si au début, les gens étaient surpris. Mais je tiens à préciser l'engagement de la commune, puisque c'est des agents communaux qui étaient à l'entrée de la route qui se retrouvaient de fait fermée et qui, à la fois, indiquaient le parking, aidaient les gens à stationner et leur expliquaient le principe de la démarche. Donc, quand on explique et quand on prépare, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Après, ça appelle à des débats plus vastes sur la mobilité, sur lequel j'ai déjà exprimé à la fois des points très optimistes et un certain nombre de réserves, puisque j'ai déjà dit, et je crois que Pierre Leroy l'a largement expliqué aussi, notamment dans les rencontres qu'il a eues avec l'ensemble des communes, que nous partions pour avoir une DSP dans laquelle nous consolidions la totalité de l'existant et nous faisions en sorte qu'elle coûte le même prix et que cela fonctionne, et qu'il n'était pas question de faire cette DSP pour ouvrir une boîte de Pandore et ouvrir un service supplémentaire très exagéré. À ce stade, ce que nous essayons de négocier, je voudrais être très clair là-dessus, c'est un service qui sera nettement meilleur, déjà parce qu'il est unifié, mais aussi parce qu'il y a du service en plus. Et nous tâchons de le négocier de manière intelligente. Le service en plus, je le rappelle, c'est justement la ligne de la Haute-Clarée et de Névache, qui ne part plus de Névache, mais de Briançon, ce qui est quand même une avancée très importante. C'est la ligne qui s'arrêtait à Monnetier qui va jusqu'à La Grave. C'est la capacité à utiliser les transports scolaires quand ils montent ou quand ils descendent et qu'ils sont vides avec le haut-le-pied. C'est déjà le cas, c'est déjà en vigueur. Je le dis aux élus de la ville de Briançon, ça permet par exemple de desservir Font-Christiane qui n'était pas desservi du tout. C'est un certain nombre de services dont je ne veux pas dévoiler forcément le détail parce qu'on y travaille, notamment sur des questions de saisonnalité, la question à aller un peu plus loin la nuit notamment. C'est l'extension du réseau urbain à Saint-Chaffré. Ce n'est pas totalement neutre. On va avoir une ligne 1 qui dessert la gare, l'hôpital, Briançon et qui ira traverser tout le village de Saint-Chaffré jusqu'au parking des Carines à Chantemerle. Ce n'est pas totalement neutre. Et tout ça, on essaie de le négocier. Ça fait l'objet de plusieurs réunions de négociation qui ne sont pas terminées, à un coût identique pour la CCB. Je le dis juste parce que le risque de cette démarche, c'est qu'en se disant « on a repris la compétence, très bien, faisons-nous plaisir et desservons tout ». Dans ces cas-là, on ferait exploser les compétences. En tout état de cause, par contre, je suis naturellement ouvert à ce que nous discussions là-dessus. Je le redis, je souhaite que le principe sur lequel nous nous accordions, c'est qu'un transport que nous estimons de service public, parce qu'on va transporter des enfants, il peut naturellement coûter plus à la collectivité, c'est normal. Un transport qui a vocation à être touristique, il a vocation à tendre vers l'équilibre. C'est ce qui a guidé les décisions qu'on a prises ensemble, d'ailleurs, sur la Haute-Vallée. Tu revoulais la parole, Claudine. Oui, oui, tout à fait. C'est juste... j'adhère tout à fait à ces propos. Simplement, c'est vrai qu'en matière de tourisme, on voit que les évolutions sont très rapides. Et c'est vrai que quand il y a un accroissement élevé de la fréquentation... Nous, communes, on pourrait peut-être pallier et abonder. Et, en tout cas, moi, pour la vallée étroite, ça ne m'a pas été possible. Alors, je n'ai pas le détail réglementaire du marché qui nous lie à la vallée étroite. Ce que je sais, c'est que nous sommes naturellement limités par des règles de marché. Je prends l'exemple l'année dernière de la question des navettes de la Haute-Vallée, dans lesquelles le marché nous autorisait à passer immédiatement de 8 à 12 navettes, mais pas à plus de 12. Parce que derrière, on est lié tout de même par un écart financier du marché. Vous connaissez tous cela. Donc, effectivement, on charge à nous aussi de se protéger quand on passe ces marchés-là. On essaie, dans la DSP, cher Pierre, de se donner le plus de largesse. Parce qu'effectivement, c'est sûr que l'année dernière, quand on a eu le mois de juillet, il pleuvait tout le temps. Et puis, tout d'un coup, il se remet à faire grand beau, 30 degrés. Ben, forcément, ce n'est pas exactement la même chose sur la fréquentation. Il faut qu'on puisse y répondre à la fois de manière intelligente et puis aussi sans perdre de l'argent quand on fait circuler des bus à vide. Mais tout à fait, en tout cas, voilà, j'entends bien ces points-là. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre les comptes rendus des décisions du président aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elles sont adoptées. Je mets aux voix le compte rendu des décisions du bureau. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elles sont adoptées. Je mets aux voix le compte rendu des arrêtés. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elles sont adoptées. Et l'ordre du jour appelle à une partie finance qui me permet immédiatement de passer la parole à monsieur le vice-président chargé des finances. Merci beaucoup. Donc la première délibération concerne des créances irrécouvrables. L'irrécouvrabilité de créances peut être soit temporaire dans le cas où effectivement le débiteur peut être amené à meilleure fortune, soit définitive lorsqu'une décision juridique extérieure rend définitivement éteinte cette créance. Le comptable public de Briançon a sollicité l'admission en non-valeur d'un certain nombre de produits
qu'il considère à l'heure actuelle irrécouvrable pour 64 titres et un montant de 20 916,65 €. Cette décision appartient donc au Conseil communautaire qui est sollicité aujourd'hui dans cette première délibération. Je te remercie. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole, Monsieur le Vice-président. Dans le cadre de les créances irrécouvrables concernant cette fois le budget assainissement, il s'agit d'un titre pour un montant de 5 594 € que le comptable public nous demande également d'admettre en non-valeur. Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce point ? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous repasse à nouveau la parole, la délibération étant adoptée. Il s'agit de la troisième délibération concernant des régularisations comptables d'opérations pour compte de tiers. Donc, outre la possibilité pour une collectivité d'effectuer des opérations pour son propre compte, elle peut également engager des opérations pour le compte d'autres communes. En l'occurrence, ces opérations faites pour le compte de tiers doivent s'équilibrer en dépenses et en recettes. Or, il s'avère que depuis un certain nombre d'années, certaines opérations ont été faites et n'ont jamais trouvé l'équilibre qui leur permettait effectivement de s'éteindre. Les charges ont été assumées par la collectivité, mais ces opérations figurent toujours en compte de classe 4, en l'occurrence 450. Il y en a donc pour 1 150 000 en dépenses, des recettes jusqu'à présent enregistrées pour 113 498, mais les opérations ayant été soldées, bouclées, il convient aujourd'hui de les soustraire du bilan, puisqu'elles n'ont aucune incidence comptable. Il appartient donc à la collectivité de donner son accord. Merci. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions et des abstentions ? Elle est adoptée. Et avant de vous repasser la parole, Monsieur le Vice-président, je précise donc à Madame le maire que la navette expérimentale du Lot a eu un coût net pour la communauté de communes de 6 000 € et a vu 190 passagers en moyenne par jour monter dans le bus sur les 2 semaines de vacances. Les chiffres sont là. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Donc la quatrième délibération, c'est un ajustement de provision pour créances douteuses. Donc en novembre 2021, nous avions enregistré une provision à hauteur de 21 100 € qui, par principe, correspond au tiers du montant des pièces prises en charge depuis plus de 2 ans et qui reste à recouvrer. Le comptable public a indiqué qu'au 7 février 2022, le montant cumulé des restes à recouvrer et est de 29 665. Il est proposé, lors de ce conseil d'ailleurs, d'admettre en non-valeur 20 495 € de ces restes à recouvrer. Et si on applique le principe du tiers, notre provision nécessaire ne serait que de 3 057 €. Il y a donc lieu de récupérer sur la provision initialement constituée 18 043 € en recettes, puisque la possibilité de recouvrer existe. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. Et enfin, la DM2. La délibération numéro 5, il y en aura une sixième, je crois, après. Mais oui. La cinquième, ça concerne effectivement la décision modificative numéro 2 du budget général. Donc, il est proposé en fonctionnement et en dépenses de basculer 124 200 € de la section d'investissement à la section de fonctionnement pour des dépenses qui sont liées au plan de modernisation de notre système d'information. C'est un plan qui prévoit notamment la mise en œuvre d'un outil informatique collaboratif qui constitue une dépense de fonctionnement et non d'investissement. En effet, la dépense réalisée n'appartient pas à la collectivité et donc ne peut pas être considérée comme investie. Par contre, cette opération est susceptible d'être éligible au FCTVA. Donc on récupérera la TVA sur ces 124 000. De prévoir 3 400 de crédits supplémentaires pour le paiement de la participation financière à un syndicat mixte intercommunal de l'abattoir Guil Durance, à hauteur de 5 000 € avaient été inscrits au budget, et il convient de rajouter 3 400 €. 50 000 € supplémentaires pour une prestation de promotion du territoire par l'Office du tourisme de Serre Chevalier lors du Tour de France 2022 que le président a évoqué tout à l'heure. Et donc 50 000 €
deux crédits supplémentaires. 11 000 euros de crédits supplémentaires pour l'enregistrement comptable des irrécouvrabilités de créances. Proposée lors de ce conseil communautaire, une somme de 10 000 euros avait été inscrite au budget primitif. Or, les admissions en non-valeur s'élèvent à 20 916 euros. Et donc, il convient d'inscrire 11 000 euros de crédits supplémentaires. 12 300 euros de crédits supplémentaires pour des frais relatifs à l'étude préalable à la gestion du centre de stockage du Bénon. Inscription de 11 000 euros pour les ressources OM et 1 200 euros pour les frais de coordination. En fonctionnement des opérations de dépenses et recettes, dans le cadre des actions engagées par la CCB pour la mise en œuvre du plan de prévention des déchets, une subvention de 147 509 euros a été attribuée par la région, dont 50 000 euros libérables en 2022, et qu'il convient donc d'inscrire au budget en recettes de fonctionnement. En contrepartie, il est proposé d'imaginer d'inscrire 30 000 euros de dépenses supplémentaires pour la réalisation d'actions qui sont, elles, subventionnables à hauteur de 30 000 euros. En fonctionnement en recettes pures, inscrire 18 043 euros de crédits supplémentaires pour ajuster le montant de la provision pour créances douteuses dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'elle est devenue trop importante. En investissement, il est prévu des dépenses, c'est donc effectivement le bascule des 124 200 euros de la section d'investissement à la section de fonctionnement pour l'outil informatif collaboratif. Et ça va se traduire donc par la suppression de 124 000 à l'article opération modernisation des infrastructures informatiques. Après, des petits ajustements, mais on ne va pas en parler. Hein. Il y a la MJC, il y a 400 euros. Pour le point d'apport volontaire, augmenter les crédits de 50 000 euros en dépenses d'investissement, en baissant le montant des crédits de paiement de l'exercice 2023 de 150 000 à 100 000. Donc c'est simplement décaler une APCP de 50 000 de 2022 à 2023. En investissement des opérations de dépenses et recettes, là, dans le cadre des actions engagées par la communauté pour la généralisation du tri à la source, de la valorisation des biodéchets et de l'appel à manifestation d'intérêt tri hors foyer, des subventions ont été octroyées par la région et l'ADEME, et il est proposé d'inscrire cette fois au budget ces recettes qui jusqu'à présent ne l'avaient pas été. 24 000 de subventions ADEME en recettes d'investissement sur un total de subventions prévues de 46 000. Donc il restera 22 000 l'année prochaine probablement à inscrire en recettes. 42 392 euros de subventions de la région en recettes d'investissement sur un total de 89 600. Donc il restera 40 et quelques mille à inscrire l'année prochaine. 56 000 de subventions ADEME en recettes d'investissement sur un total de subventions de 117 000. Donc il restera de la même façon une cinquantaine de mille à inscrire l'année prochaine. Sur la partie dépenses de ces opérations, il est proposé d'augmenter les crédits de 45 000 euros pour effectuer des modifications sur le camion de la fourrière automobile afin d'être utilisé pour le compostage. Le reste restant donc en ressources de subvention au crédit du budget d'investissement. Il est également prévu d'inscrire 35 000 euros sur le programme Peter Corps Solidaire pour l'achat de machines et de travaux d'installation du Fab Lab de l'atelier 2 à Altipolis. Et donc, ce programme d'investissement est compensé par une subvention à hauteur de 85% de Alcotra, plus 29 750 euros en recettes d'investissement. Des opérations en compte de tiers, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois, elle s'équilibre avec 25 000 de dépenses d'investissement au compte 458 et 25 000 en recettes d'investissement au compte 458 également, concernant la subvention à Vélo 2 pour le compte de la commune de Névaches. Inscrire 40 000 euros de crédit nouveau pour faire l'acquisition d'un matériel informatique permettant la sécurisation informatique de la collectivité. Cette dépense entre dans le cadre d'une opération totale de 110 000 euros qui va faire l'objet de la création d'une APCP puisqu'elle est envisagée sur 2 ans et qui sera compensée par une subvention du plan relance à hauteur de 90 000 euros.
Et pour cette année, donc, c'est 40 000 euros en dépenses d'investissement et 40 000 euros en recettes d'investissement. Pour équilibrer la totalité de ces modifications, il est proposé donc en résultante de diminuer le versement de la section de fonctionnement à la section d'investissement à hauteur de 162 857 euros, et de diminuer également l'opération d'investissement, provision pour prospective, de 16 497 euros. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur la DM2 ? S'il n'y en a pas, je vais mettre la décision modificative numéro 2 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée. Je vous remercie. Oui ? Excusez-moi. Je m'abstiens. Très bien. Par rapport aux 50 000 de la promotion tourisme. Pour le Tour de France, on a vu que c'était un grand événement et j'en suis très contente. Voilà. Simplement, on a travaillé sur la Clecte Tourisme, ouais. les huit élus de l'OTHV, et ce travail a abouti à rien, puisque maintenant le dossier a été transmis à la préfecture, et donc c'est la préfecture qui va trancher. Et donc, ça m'a mis un peu en colère parce que il me semblait qu'on pouvait trouver un terrain d'entente et on pouvait travailler dessus, et notamment sur le sujet de la taxe de séjour, qui pour l'instant, la taxe de séjour collectée par les huit communes va dans le budget général et donc participe à ce financement. Non. Donc c'est pour ça. La variation de la taxe de séjour ne va pas dans le budget général. Elle sera affectée dans le compte du. De la truc solidarité, là, du fonds de solidarité aux 8 communes pour des investissements. On verra la décision. Pardonnez-moi, chère Claudine. C'est pour ça que je m'abstiens. Bon, pardonnez-moi, mais sur la CLECT, je crois qu'on a travaillé dans un grand esprit d'ouverture. On est allé jusqu'à proposer une compensation à l'euro, un accroissement du fonds de solidarité dédié expressément au tourisme pour les communes dédiées, pas un euro à perdre en moins. Et à ce stade, on n'arrive pas à trouver d'accord. Et pensant que nous en avions trouvé un qui me semblait vraiment équitable, alors même que c'était pas extrêmement simple parce qu'il a échappé à personne, que globalement ça faisait reposer pas mal de financement sur la commune de La Grave, malgré tout cela, derrière, on n'arrive pas à un accord. Moi, si vous voulez, le problème que j'ai, c'est pas une histoire de CLECT Tourisme contre l'OTHV. C'est juste qu'en l'occurrence, les CLECT, elles n'ont pas été réunies pendant des mois sous la précédente mandature, qu'on n'avait toujours pas acté la situation depuis Saint-Pierre, qu'on a des sujets extrêmement importants et que je ne peux pas réunir encore des CLECT pendant des semaines sur cette seule question. Donc à un moment, si on ne trouve pas d'accord, je respecte la loi, je saisis le préfet qui fera là-dessus, qui tranchera la question. Voilà, dont acte. Maintenant, je trouve regrettable que le message que vous envoyez, c'est de ne pas apporter la solidarité communautaire aux communes concernées quand le Tour de France est traversé, parce que je crois que quand on est à 13, c'est un événement qui va remplir les hébergements de la totalité de la CCB. Je trouve que c'est un message que vous envoyez aux collègues de Serre Chevalier et de Briançon qui est fort désagréable, je me permets de vous le dire. Alors, je m'en excuse parce que ce n'est pas mon propos, je l'ai dit et je... C'est voilà. En l'occurrence totalement votre propos, madame. Mon propos porte sur la CLECT Tourisme et sur la façon dont on a traité effectivement ce dossier. On a eu une réunion le 8 mai où on avait trouvé des solutions, on vous a apporté des solutions. Et malheureusement, que on a trouvé un accord sur lequel vous êtes finalement revenu par courrier 2 semaines plus tard. Moi, je suis désolé, je travaille pas comme ça. Si vous vous sentez maltraité, j'en suis vraiment désolé, c'est pas l'objet. Je crois franchement que, si ce n'est qu'à travers ce que nous avons mis en place, à travers le pont de solidarité qui n'avait jamais existé, je crois que on n'a jamais autant investi dans toutes les communes. Là, c'était un sujet qui était impactant en termes de chaque de fonctionnement sur des hauteurs de quelque chose comme 2 000 à 10 000 euros maximum par an pour les communes concernées. Alors que vous avez toute liberté de solliciter le FSST pour des montants de 5, 10, 30, 100 000 euros chaque année. Si votre sujet, c'est de ne pas voter l'ADM parce qu'il y a 50 000 euros pour
pour le Tour de France, qui est la plus grande course mondiale, parce que en clecte, vous estimez qu'on n'a pas trouvé d'accord. Écoutez, j'en suis vraiment désolé. Moi, c'est juste qu'à un moment, j'essaie d'être un garçon un peu droit. Je veux pas. Franchement, je le redis. Moi, je veux. On a fait combien de réunions là-dessus? On a fait 2 clectes. On a fait une réunion dédiée, etc. Bon, écoutez, à un moment, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et franchement, ça fait depuis 2016 que ça aurait dû être adopté, hein. Donc moi, je veux bien que c'est ma responsabilité, mais si vous voulez, il s'est quand même déroulé 5 ans de mandat sans que je sois président, sans que, a priori, ça n'ait gêné personne, que ce sujet n'ait pas été réglé. Bon, j'essaie de le régler, je fais plein de réunions dédiées. Les clectes, elles ne se réunissaient même plus. Je veux dire, puis Saint-Pierre, ça a attendu combien de temps? Pardonnez-moi. Ça a attendu combien de temps, puis Saint-Pierre? Voilà, donc à un moment, moi, si vous voulez, si on ne trouve pas d'accord, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, le préfet y tranche. Bon, voilà. Maintenant, je le redis, je ne trouve pas. Voilà. Voilà. Alors, mais vous assumez la responsabilité de votre vote, que voulez-vous. C'est mais comme il reste oui. Alors, premièrement, je ne vote pas contre, je m'abstiens. Ce n'est pas pareil, je pense. Deuxièmement. C'est votre entière responsabilité. Oui, oui, tout à fait, mais je l'assume. Hein. Mais si je vous ai offensé sur mon vote, moi, j'ai été offensé aussi sur le courrier que j'ai reçu par rapport à la clecte, où je pensais qu'on pouvait construire quelque chose et on m'a dit, mais dont acte aussi, mais non, pareil, mais c'est exactement pareil. Le et puis, maire, pardon, excusez-moi, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce dossier-là, il traîne depuis 2019 et il traîne depuis trop longtemps. Madame le maire, pardonnez-moi, franchement. J'essaie de concerter sur tous les dossiers. Il ne vous a pas échappé que ce dossier-là n'est pas le seul que nous avons. On a des dossiers polémiques qui concernent toutes les communes partout. J'essaie toujours de consulter. Seulement, il faut juste à un moment mettre une toute petite limite, de la même manière que vous, dans votre commune, j'imagine que vous le faites. C'est-à-dire qu'à un moment, si le sujet de la clecte pour les attributions de compensation définitive, qui sont certes des montants qui sont importants pour vos budgets de fonctionnement, mais qui ne sont pas quand même l'enjeu capital pour les 10 prochaines années, si au bout de 3 mois de travail, on n'y arrive pas, moi, je me dessaisis du sujet. Voilà, parce que c'est la loi et que c'est comme ça. Donc maintenant, si vous vous sentez offensé, j'en suis désolé. Franchement, je n'ai pas le sentiment d'offenser ni votre commune, ni les autres en faisant cela. J'ai tâché de proposer plusieurs solutions qui, toutes, me semble-t-il, étaient à votre avantage et à l'avantage des communes et pas de la CCB. Vraiment, hein, je crois vraiment ce que je dis. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, toutes les solutions consistaient à essayer de vous rendre de l'argent plutôt qu'à vous en prendre. Si ça ne vous convient pas, écoutez, moi, je me dessaisis. Si vous vous sentez offensé, bah, écoutez, franchement, peut-être que vous n'avez pas siégé sous la mandature précédente, alors. Ben non. Donc, bah, parce que vous auriez connu un mode de fonctionnement qui était un peu plus offensant. Parce que je peux vous dire que les concertations, elles ne se faisaient pas les claques non plus, d'ailleurs. Alors, je veux juste préciser donc mon propos hein, sur le Tour de France. Je suis très contente que cet événement se passe dans le Briançonnais et j'espère qu'il apportera un éclairage qui portera haut les couleurs du Briançonnais. Ça, vous pouvez en être assuré et j'en serai très contente. Et donc, pour cette clecte, effectivement, je regrette vraiment cet état de fait, mais j'en prends acte et je le respecte. Et voilà, c'est tout. Mais je voulais juste l'exprimer. Et voilà. Moi, je renforce les propos du président. Déjà, je ne vois pas le rapport qu'il y a avec la clecte et votre position par rapport à l'investissement de la CCB sur la participation au Tour de France. Hein. Nous, les communes là-haut, on abonde au budget de l'organisation sans se poser de questions, sans savoir s'il y a des retombées. Les retombées, il y en aura, mais c'est quand même chaque commune, que ce soit Villeneuve ou Monétier, on met quand même 60 ou 70 000 euros de participation. Je pense que si on raisonne tous comme ça, ça ne va pas marcher, quoi. La dernière fois, j'ai eu une réunion où je m'étais un peu emporté en disant que si à chaque fois, on doit regarder qu'il y a une décision qui est prise, ce qu'on perd ou ce qu'on ne gagne pas, je pense qu'on est tous là pour travailler tous ensemble. Et moi, je trouve aussi votre attitude déplacée par rapport, à l'aura et je dirais, aux retombées que va générer le Tour de France, qui ne va pas forcément rester que sur la vallée de la Guisane. Hein. Tout à fait. Je veux juste préciser que la clecte, c'est des transferts de charges. Et donc, ce qu'on transfère, ce n'est pas la communauté de communes qui va payer. Hein. C'est bien la commune c'est juste un transfert de charges. Bon, enfin, on ne va pas faire le débat, mais en tout cas, je le redis, je trouve ça regrettable parce que quand il s'agit de financer Terre Sauvage à Névache, on ne se pose pas la question de savoir si ça concerne les communes de Serche. Monsieur le maire de Villars. Monsieur le Président, je pense que voilà, on va redescendre un petit peu en termes de,
de tension. Je pense que je ressaisis ce que dit monsieur Ray. Je prends la balle au vol. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et là, ce soir, je vous fais une proposition. Pourquoi vous n'ouvrez pas le bureau des vice-présidents aux quatre maires qui pourraient venir siéger dans un esprit de travail en commun dans les prochains mois pour pouvoir valider ces fameuses décisions collégiales? C'est la première chose. La deuxième chose, sachez que peut-être que... Peut-être qu'historiquement, tu n'as pas siégé autour de la table. Ces 50 000 euros avaient été discutés âprement il y a quelques années, quand le tour était venu. Cette somme avait fait l'objet aussi de grosses discussions, de sorties de bureau, de rentrées dans le bureau par certains élus. A priori, c'est le ticket d'entrée quand on va accueillir le Tour de France, que ce soit à Briançon ou à Montgenèvre, par exemple. C'est largement plus que ça. C'est, là, on est sur... Non, mais on sait que c'est plus, mais pour la CCB... C'est 400 000. Pour la CCB, ça sera le ticket d'apport. La troisième chose, c'est vrai que cette LEC, ça a tourné. Peut-être que les décisions n'avaient pas été aussi tranchées ou aussi abouties à l'époque. Ça a été remis devant la préfète. Nous ferons valoir aussi le fait que la loi doit être respectée entre 2014 et 2016. Ça ne sera peut-être pas à l'avantage de certaines communes aussi, parce qu'il va falloir aussi rentrer les bâtiments, etc. Il y a quand même des questions qui se posaient encore, des crédits, etc. Donc voilà. Je pense qu'il faut redescendre un petit peu sur les positions et se dire que, comme vous l'avez dit, on est très heureux d'accueillir le Tour de France qui bénéficiera, au-delà de l'ensemble du territoire briançonnais, tout au nord du département. En général. Je vous remercie pour ces propos d'apaisement. Je rappelle, alors on peut discuter des questions de bureau, je rappelle qu'on n'a jamais, et rarement, mais je vois aussi sourire espiègle, mais auquel je réponds avec sourire et avec plaisir. Mais je rappelle qu'on a un outil qui s'appelle la conférence des maires qui travaille bien et que je suis prêt à réunir le plus possible parce que, très sincèrement, les débats que nous avons eus, que ce soit à Montgenèvre sur la mobilité ou la semaine dernière sur les activités de pleine nature avec des sujets qui sont ceux de la Via Aiguisane et de la Via Clarée, nous amènent à prendre des décisions qui à chaque fois sont extrêmement concertés, et je veux que nous avancions là-dessus. En tout cas, très sincèrement, jamais vous ne trouverez une position de ma part, et si vous le faites, je l'assumerai, et vous aurez bien légitimement le droit de me critiquer là-dessus, qui visera à diviser notre communauté de communes, parce que je suis bien trop conscient que l'exercice des fonctions de président d'intercommunalité est tellement différent de celui de maire, puisque la confiance que vous m'avez accordée ne donne pas du tout les mêmes responsabilités que celle du suffrage universel direct et oblige à une manière de travailler bien différente. Et j'espère en tout cas continuer à la mettre en œuvre à vos côtés et que chacun des vice-présidents et vice-présidentes le fasse de la même manière dès lors qu'ils ont un dossier qui concerne vos communes. Fin de la polémique, on va pas s'engueuler pour tout ça, c'est pas très grave. Oui, non, je veux pas que ça soit une polémique, hein. Je veux vraiment, je veux qu'il y ait un climat comme de dialogue, d'apaisement, et puis pas de confrontation entre des vallées, entre des communes et tout ça. Et je crois que sur ce point-là, on se rejoint tous. L'amour entre les peuples est désormais rétabli. Monsieur le maire de Villers-Saint-Pancras, pour conclure ce débat, et j'enchaîne sur la SPL. Nous garderons la séquence vidéo précédente où vous avez compris le fonctionnement de l'EPCI, vous venez de le dire, et je garderai précieusement cette séquence vidéo. Merci beaucoup, merci de ces paroles, merci de ces paroles. Non mais attention, ces propos valent à partir du moment où les vôtres valent aussi, naturellement. L'amour, l'amitié et la bonne entente, ça se fait toujours à plusieurs, hein, c'est comme les couples, plus difficile tout seul. Monsieur Olivier Font. Oui, donc ça. Ah, j'ai oublié les AP, pardon, excusez-moi. Donc, pardon, rapport numéro 6, les AP et CP. J'ai repris la parole, donc il n'y a pas de souci. Autorisation de programme, crédit de paiement. Donc, la résultante de ce qu'on a vu dans les précédentes délibérations a pour objet aussi de procéder à certaines modifications sur les autorisations de programme, notamment Peter Solidaire par rapport aux 35 000 dont on a parlé tout à l'heure, compensé par 85% lié à une subvention d'Alcotra. Le point ordure ménagère, où il est proposé de basculer 50 000 euros de crédit des crédits de paiement de 2023 sur 2022 et qui donc n'a pas d'incidence sur la PCP en elle-même au niveau des montants. La modernisation des usages et des infrastructures informatiques avec la mise en œuvre de l'outil informatique collaboratif hébergé en ligne. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un bien qui appartient à la collectivité, donc il ne peut pas être traité en investissement.
Il est donc traité en fonctionnement, mais il reste dans la PCP. Il est individualisé comme tel pour 100 et quelques 1000, 124 000 de mémoire, ou 140 000. Et il est également proposé de créer une APCP pour l'acquisition de matériel informatique permettant une sécurisation informatique de la collectivité à hauteur de 110 000 euros que nous allons traiter sur 2 ans et qui sont couverts à pratiquement 82% par France Relance. Monsieur le Président, il conviendra de valider. Merci beaucoup. Je profite juste, monsieur le vice-président, de ce point APCP pour vous faire un tout petit point très très rapide sur les autorisations de programme qui vont bientôt se transformer en crédit de paiement. Sur l'un de nos dossiers principaux, je pense bien entendu à la cité administrative, puisque nous sommes désormais en phase APD Pro, que nous serons en mesure, dans le courant de l'été, de lancer les marchés et les consultations d'entreprises pour un démarrage des travaux au tout début de l'automne sur le désamiantage et le curage démolition et un démarrage du gros œuvre pour 18 mois de travaux en janvier de l'année prochaine. Donc je voulais le dire et saluer le travail de nos équipes puisque les travaux avancent. Et avance plutôt bien. Je salue aussi le travail qui a été fait avec l'ensemble des agents de la communauté de communes et bien entendu de la ville aussi sur les aspects de concertation, de travail interservice, de positionnement dans les étages, dans les bureaux, parce que c'est pas si simple de déménager un bâtiment comme le nôtre. Et tous ces travaux avancent plutôt bien. De la même manière que je salue le travail qui a été fait par le service des archives. Ce coup-ci côté ville, puisque sur les aspects numérisation, qui est un gros enjeu, parce qu'il est hors de question de déménager tout ce qu'il y a dans les caves de ce bâtiment, vous l'imaginez bien, parce que sinon il resterait de la même manière. Donc l'idée est d'arriver à une numérisation quasiment totale, qui est un grand enjeu aussi même pour le traitement de nos données. Tous ces dossiers avancent et avancent bien, de la même manière que les sujets numériques avancent. C'est une des AP importantes aussi que vous avez bien voulu voter au budget. Puisque nous devrions, dans le courant de l'automne, enfin être dotés de cette petite merveille technologique qui s'appelle Office 365, qui permettra à l'ensemble de nos agents, de travailler avec des agendas et des boîtes mail qui sont coordonnées, qui nous permettent, vous aussi, de coordonner nos agendas, et ce qui nous permettra derrière d'enclencher la dématérialisation des délibérations et donc de travailler enfin sans papier et avec des ordinateurs ou des tablettes dans l'hémicycle. Voilà, tous ces sujets avancent. Et avance bien. Est-ce qu'il y a des questions sur les APCP? S'il n'y en a pas, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? La délibération est adoptée. Je vais présenter la modification des statuts de la SPL, vous précisant naturellement qu'elle a été adoptée par le conseil d'administration. Mais tout simplement, nous modifions les statuts pour pouvoir répartir le capital social entre les actionnaires, en sachant que nous avons de nouveaux actionnaires. Ça nous a obligés à créer un nouveau mode de fonctionnement. Je ne rentre pas dans les détails de l'Assemblée spéciale, etc., mais qui, je crois, fonctionne plutôt bien. Preuve en est que ça a été adopté par toutes les personnes concernées lors du conseil d'administration. Si ça n'appelle pas de questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? La délibération est adoptée. Et je vais vous demander de désigner un représentant pour ESHD au titre de la CCB et vous proposer de désigner Jean-Franck Viujas. Quelqu'un veut-il voter contre notre ami de Servières? C'est horrible de dire ça. Je ne ferai plus jamais ça, pardonnez-moi. Et oui, c'est ça qui devient intéressant. Allez, plus sérieusement, je mets cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vais vous proposer par la suite, félicitations, monsieur le maire de Servières, qui, cela dit, a quelques sujets d'eau et d'hydro dans sa commune. Je vais vous présenter la délibération suivante, qui est une garantie de garantie d'emprunt, pour être tout à fait clair. Il s'agit là de l'emprunt qui nous permet de rembourser Suez. Donc c'est le sujet que j'abordais en propos liminaire, qui est un emprunt Banque des Territoires, qui est garanti à 50% par la ville de Briançon, à 53% par la Banque Postale, et la CCB contre-garantie ces mêmes garanties. L'idée étant, vous l'avez compris, d'obtenir une stabilité la plus importante et, pour être plus clair, concrètement, sans la Banque des Territoires, banque publique, et sans ces garanties de la ville et de la CCB, très concrètement, vu la situation
de la société telle que nous l'avons trouvée, nous n'aurions pu emprunter d'argent à aucune banque. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de solder nos dettes et de retrouver une situation fiable, stable. C'est, je le rappelle, un emprunt sur 25 ans, alors que tous les emprunts précédents étaient sur des durées entre 3 et 7 ans. Le PPI, lui aussi, sera financé sur 25 ans. C'est 25 ou 35 ? J'ai un léger doute, c'est 25 ans. 25 ans, c'est bien cela. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Si, oui, monsieur Aymar, je vous en prie. Vous savez qu'on n'a pas été favorable à l'avenant numéro 2. Par contre, on est bien conscient qu'aujourd'hui, on est dans une ligne qui va nécessiter cette ligne de crédit. Par conséquent, on ne votera pas contre, mais on s'abstiendra. Très bien, je vous en remercie. Merci de cela. Très bien, je vais mettre cette délibération aux voix. Monsieur Fine, vous vouliez la parole, pardonnez-moi. On ne sait pas ce que sera le législatif dans 4 ans, mais on voit qu'il y a certaines collectivités qui commencent à rentrer au capital. Donc on doit être à 8 collectivités sur les 13. Quelle est la ligne de conduite pour essayer d'arriver à une structure qui permette en 2026 éventuellement de travailler avec la SPL pour la reprise de la compétence eau? Est-ce que vous avez déjà, vous, des courriers de communes qui opposent fermement le fait de ne pas vouloir travailler ou faire quelque chose en commun? Non, ça ne se présente pas exactement comme ça. Bon, déjà, celles et ceux qui gèrent leur eau seuls sans la SPL ont des raisons de le faire. Il y a des raisons historiques qui sont complexes. Je pense à la salle des Alpes, il y a eu des contentieux extrêmement complexes, onéreux. Donc il y a des raisons qui sont toutes particulières et je crois qu'on doit les respecter si on veut que ça marche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on verra ce à quoi la loi nous oblige ou ne nous oblige pas. Et le troisième point, c'est que j'ai tendance à penser que si jamais la loi nous obligeait, parce que c'est jamais très agréable pour un maire de se voir obligé d'eux, je crois que, paradoxalement, notre responsabilité à nous, je parle aux communes adhérentes à la SPL, est de faire en sorte que cette obligation devienne finalement un plaisir ou une appétence. Et que, paradoxalement, je trouve que ce serait un beau défi que d'avoir trouvé cette société dans cet état-là et aujourd'hui de l'avoir stabilisée. Si on arrivait à se dire que dans 2 ans, elle gagne de l'argent et que finalement, nos collègues, qui ont, même si elles gagnent de l'argent, auraient peut-être pas très envie d'y venir parce qu'ils ont leur raison. Il y a des communes qui ont un réseau en très bon état, qui n'en ont pas besoin. Mais s'ils se disaient finalement, la loi nous y contraint, mais enfin, voilà une société qui va bien avec des personnels qu'on connaît, qui ont l'air de plutôt bien travailler et en plus une société qui verse des dividendes à ses communes actionnaires, ben, je me dis que ce serait peut-être le meilleur moyen de rendre cette obligation légale la plus agréable possible. En tout cas, voilà comment je ressens les choses. Au-delà de verser des dividendes aux actionnaires, peut-être réinvestir l'argent gagné dans les réseaux de telle sorte à ce qu'on les améliore encore, quoi. Les deux, mon capitaine. Les deux, parce que de toute façon, une société qui ferait pas de chiffre d'affaires, qui n'investirait pas, ferait pas de chiffre d'affaires et donc ferait pas de résultats et donc ne verserait pas de dividendes à la fin. Jean-Marc Iapponi, vous voulez la parole. À charge de la direction de la SPL et de prouver aux communes qui ne sont pas adhérentes, actionnaires de la SPL aujourd'hui, de rentrer à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, si la compétence est là, à charge de prouver la solidité de la structure. On est là pour ça. Et je crois qu'il faut être réaliste. Par contre, il est vrai, ce ne sera pas le reversement de dividendes. C'est vrai que les travaux seront à faire dans les réseaux. Tout à fait. Ça, je partage ton avis, c'est clair. Je ne suis pas un fort partisan de la SPL. C'est bien pour ça que je veux voir de près et vous représenter. Mais il faut être réaliste. 2026, on n'évitera pas. En 2026, aujourd'hui, quelle que soit la majorité, le transfert sera effectif. Non, mais la question sous-jacente, c'est toujours pareil. C'est exactement pareil que lors de le transfert de la compétence assainissement. C'est l'inquiétude des communes, des élus. C'est éventuellement les bons élèves qui vont payer le prix pour les mauvais élèves.
C'est-à-dire que les communes dans lesquelles les travaux n'ont pas été effectués pendant des années, où la faiblesse du tarif de l'eau ne permettait pas d'investir, après c'est un choix politique, mais demain, éventuellement, Briançon ou d'autres communes qui ont fait quand même des travaux et des investissements importants, dans cette trajectoire-là, risquent de voir retarder certains investissements qui passeront derrière des investissements qu'on estimera loin. Qui seront estimés plus urgents sur certaines autres collectivités pour les remises à niveau. Et elle est là, cette question. Donc, c'est pour ça que dans les trois ans qui arrivent, cette stratégie de se dire on essaye de converger, d'essayer d'arriver à des niveaux qui soient plutôt corrects entre nous sur le territoire, est peut-être quelque chose à creuser. Voilà, je ne vais pas plus. Non, mais je vous rejoins. Après, c'est une question qui devient capitalistique. Hein, c'est-à-dire, concrètement, on veut investir plus. Très bien, OK, on va lever de la dette pour le faire. Il va falloir capitaliser pour pouvoir se le permettre. Ça, c'est des sujets d'actionnaires qu'on aura entre nous. Hein. Ah, bien sûr. Ah, mais dont acte. Tout à fait. Alors, attendez, dans l'ordre, Monsieur Pétieux et après Madame Dardenne, vous voulez la parole. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les communes doivent s'en imprégner, parce que 2026, c'est bientôt. C'est une société publique, on le rappelle, on le réaffirme, pour une ressource qui est essentielle. Par contre, il faut s'en imprégner, parce que quand on voit la CLECT tourisme, j'imagine la CLECT eau dans quelques années. Voilà. Ça s'appelle remettre une pièce dans la machine. Madame Dardenne. Oui, moi, je voudrais revenir sur vos propos, Monsieur le Président. J'ai peut-être pas compris. L'idée de rentabiliser la SPL, de reverser aux actionnaires, ça me semble ahurissant par rapport à un bien. Et ça vous semble, ahurissant que DSB reverse des dividendes à la ville de Briançon ? Non, mais... Non, mais vous avez été président du conseil de surveillance de DSB, non ? Oui. Parce que peut-être que ça vous avait échappé que DSB versait des dividendes à la ville, non ? Non, tout à fait, mais je compare pas l'électricité avec l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout... Mais les actionnaires, madame, c'est les communes. D'accord, mais peut-être, mais moi, je suis quand même étonnée. Pour moi, l'eau, l'argent qui... Mais il est réinvesti, madame. Dans les réseaux, ben bien sûr, c'est ce que nous venons de dire. Eh ben bien sûr, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Communes et en tant qu'actionnaire, je sais pas, j'ai pas bien compris. Ah ben là, je vais vous dire, pour la ville de Briançon, ça a eu un grand avantage d'être actionnaire majoritaire, puisque ça nous a coûté 800 000 euros. Que la SOR reverse à ses actionnaires, d'accord, mais que... Non mais madame, je comprends tout à fait que pour vous, le mot actionnaire est un gros mot. Non, mais c'est mais je vous rappelle que le monde capitaliste n'est pas forcément un monde de méchants, et qu'accessoirement, on peut avoir une société publique locale dans laquelle les actionnaires sont des communes, et en l'occurrence, on est bien content que DSB reverse à la ville, de la même manière qu'on sera bien content que SPL, au service Haute Durance, plutôt que de nous coûter, rapporte au budget de la ville qui pourra le réinvestir dans ses réseaux, ni plus ni moins. Parce que, accessoirement, quand une ville reçoit des dividendes, il ne vous a pas échappé que ça ne va pas aux élus. Je tiens à vous rassurer, parce qu'il n'en est pas là. Monsieur Finn. Ceci dit, c'est quand même les usagers qui vont payer l'eau. Donc, je suis... Alors que... Oui, mais enfin, s'ils ont l'eau, c'est parce qu'il y a des réseaux. L'électricité, c'est parce qu'il y a des pylônes. Mais j'ai peut-être... ça vous a peut-être échappé. Madame... Monsieur... Je vais y arriver. Monsieur Finn, pardon. Moi, deux choses. Depuis la création de la SPL, je crois... que cette structure reverse 100 000 euros par an à la ville de Briançon. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Cette structure reverse 100 000 euros par an à la ville de Briançon, déjà. Vous vérifierez. Donc sur les 6 années, il y aura les 600 000 euros. Bon, bref, voilà. La deuxième chose, vous faites... Ouais. Je suis vraiment pas sûr. Vérifiez. Avec voilà. Plaisir, mais j'en suis vraiment, vraiment pas sûr. Voilà. Et la deuxième chose, c'est... Bon, on parle de travail ensemble. Je le dis officiellement ce soir. Il me semble qu'il est important, entre deux communes qui ont 30 mètres de réseau à faire pour se connecter,
qu'on ait une convergence dans les prochaines années, de telle sorte à ce qu'éventuellement, si une pénurie arrive sur la ville de Briançon, la commune de Villars-Saint-Pancras puisse pallier, ou l'inverse. Et là, on n'a pas grand-chose à faire. Donc je pense qu'il faudra qu'on converge déjà de ce côté. Si ça peut être la première pierre de quelque chose de commun sur les 13, eh ben, j'en m'en féliciterai. En tout cas, je vais former un vœu pieux, mais j'espère qu'on ne sera pas dans cette situation, parce que sinon... Vous en doutez pas de ça. Bon, mais en tout cas, j'espère qu'on ne sera pas dans cette situation, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire qu'on aura un petit souci entre Montgenèvre et Briançon sur des questions de conduite, et ça coûterait un peu plus cher que les 30 mètres de connexion, vous le savez, et on le sait tous, bien malheureusement, parce que je crois qu'on a quelque chose entre 9 et 10 millions d'euros de travaux qui sont, je crois, reportés à Sinédié depuis à peu près les années 80, et que le jour où ça se fera, ça coûtera un petit peu cher. Mais on en a quelques souvenirs quand, malheureusement, le dégel fait qu'on a des accidents sur cette canalisation. Je close débat si vous en êtes d'accord et vous propose la délibération numéro 9 aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Pardon, il y en a une. La délibération est adoptée, je vous remercie. Et je vous propose la délibération numéro 10, puisque c'est la même délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Il y en a une. Elle est adoptée. Je vous présente ensuite, sujet bien différent, une modification du tableau des emplois. Alors, je m'attarderai peut-être plus sur la délibération suivante, puisque on est sur... Le centre communal social. Là, vous y retrouvez, je me permets au passage d'excuser l'absence pour raison personnelle du vice-président Aymeric Salles, que je salue naturellement. Vous retrouvez là une modification classique du tableau des emplois. Un emploi permanent d'adjoint au patrimoine pour adapter les capacités d'accueil des deux structures sur la médiathèque et le centre d'art contemporain. Un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique, ma chère Catherine, et 3 emplois pérennisés en crèche, et on en a bien besoin, parce qu'on voit bien que les situations, elles sont toujours tendues dans nos crèches et qu'on se doit de faire le meilleur pour nos petits-enfants. Et enfin, sur le pôle développement durable, on retrouve une transformation d'emploi due à une réussite de concours, et on en profite pour féliciter l'agent concerné. Voilà, je ne sais pas si ça appelle à des questions. Si ça n'en appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Elle est adoptée. Et comme je vous en parlais en début de conseil, la délibération numéro 12 appelle à la création des 7 emplois, et c'était vraiment l'engagement que nous avions pris, qui nous permettent de proposer à chacun des salariés du centre social associatif MJC d'intégrer la communauté de communes dans le cadre de la reprise de l'agrément centre social par la communauté de communes sous la forme d'un centre social intercommunal. J'en profite pour vous dire que à la fois les discussions et même la mise en œuvre, à la fois dans les discussions avec la MJC, avancent bien, que la préparation, le travail sur le projet social avance bien aussi, et que les discussions avec les caisses d'allocation familiale sont très porteuses, que si vous avez des questions, Elisa Faure est à votre disposition pour y répondre, que Catherine Valdener est à votre disposition aussi, elle y a largement contribué, que les maires qui ont bien voulu y participer à ces petits groupes de travail que je remercie vraiment peuvent répondre aussi, et que celles et ceux qui n'y ont pas participé, s'ils le sont intéressés par la définition de ce sujet, peuvent apporter leur contribution. Bref, en tout cas, l'engagement pris est tenu, il n'y aura pas de perte d'emploi, et je crois que c'était important. Voilà, si ça appelle à des prises de parole, Monsieur Fine. Comment est-ce que nous pouvons participer à ces réunions de travail ? Eh bien, je vais vous y inviter. Ben, merci. Ni plus ni moins. Et nous avons, vous avez dû recevoir aussi une convocation, enfin une invitation pour la commission cohésion sociale le lundi 20. C'est ça, mais c'est 3 communes. C'est ça, non ? C'est pas 3 communes ? Alors, il y a deux groupes. Il y a le groupe, du coup, effectivement. C'est toute la commission. Le groupe Copil. Et là, on a invité toute la commission, justement, pour rapporter un petit peu nos premières réflexions à toute la commission. Voilà. Je m'en félicite et je le note. Voilà. Très bien, merci. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Elle est adoptée et je vous en remercie pour les salariés de la MJC. La délibération supplémentaire, la suivante, concerne des vacations pour la rémunération pour participer au jury
pour les membres du conservatoire, avec un montant à 50 euros par heure pour le président du jury et 40 euros pour les membres du jury. Je crois que ça n'appellera pas de questions. Si ça en appelle. C'est juste très important pour les élèves, que ce soit des profs et des professionnels d'ailleurs qui viennent juger les examens. Je pense que c'est très important. Et donc, par rapport au coût, je pense que ça en vaut vraiment la chandelle. Merci beaucoup. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Et vous retrouvez enfin, dans les aspects de commande publique, un avenant au marché d'assurance. Désolé, ce n'est pas des sujets les plus excitants possibles, mais qui nous permet d'amender un marché d'assurance pour intégrer des évolutions réglementaires liées aux agents placés en congé statutaire pour raison de santé. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée et je donne avec plaisir la parole à monsieur le vice-président chargé du développement économique, Jean-Marie Rey. Et je m'absente quelques secondes. Merci, monsieur le président. Alors, dans la série des acronymes, nous allons en avoir un nouveau, hein, c'est l'IZAE. Donc, c'est l'inventaire des zones d'activité économique. Voilà, donc il faut, je dirais, l'appréhender. Donc, c'est surtout lié à la loi climat et résilience qui nous impose la tenue par les collectivités d'un inventaire des zones d'activité. Donc, vous savez que la communauté de communes a compétence sur trois ZAE, hein, zones d'activité économique. Il y a le pont La Lame, la Puy Saint-André, l'espace sud à Briançon et la tour à Villars-Saint-Pancras. Donc, il faudra pour chacune d'elles, hein, donc, faire un inventaire des étapes parcellaires, de l'identification des occupants, le nombre de jours où c'est occupé, de la forme que ça, chaque occupant a. Donc cette méthodologie, elle doit être réactualisée tous les 6 ans. Donc ça, c'est à la charge de la communauté de communes. Donc l'avantage de ça, il y a en dehors de la contrainte, je dirais, du travail des agents, puisque ça n'existait pas, il va falloir le faire. Ça a surtout un avantage, c'est que ça nous permettra d'affiner plus précisément ce qui se passe dans nos ZAE, de connaître un peu le taux d'occupation, qui est dessus. Et à partir de là, nous donner peut-être des éléments beaucoup plus précis pour les éventuelles ouvertures des prochaines ZAE qui pourraient être sujets à discussion. Donc, de toute manière, c'est la loi. Et donc, vous savez comme moi que la loi climat résilience qui arrive va nous imposer un certain nombre de choses. Donc là, ça en fait partie. On va le faire. Et comme je viens de vous le dire, ça nous permettra d'avoir une vision beaucoup plus précise sur l'occupation de nos zones d'activité économique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Et bien, du coup, c'était pour savoir qu'est-ce que ça va apporter comme moyen ensuite, une fois que le constat sera fait. Parce que notamment, on voit dans la zone, il y a plusieurs bâtiments qui sont vides depuis un bon moment. On sait pourquoi, c'est parce que les loyers sont infiniment trop chers pour des bâtiments en plus en état parfois très moyen. Du coup, je pense que c'est une très bonne chose d'inventorier ça et de le mettre en avant. Mais derrière, est-ce que on nous offre, est-ce que les communautés de communes vont avoir des moyens de pression, des moyens de faire évoluer les choses, parce qu'en fait, c'est de la spéculation. En ce moment, les investisseurs spéculent énormément sur tout ce qui est justement locaux commerciaux. On voit à côté de Fraîche, c'est fermé depuis 4-5 ans, parce que le loyer, il est exorbitant. C'est 7 500 € par mois pour 400 mètres carrés, plus la taxe foncière. En fait, ça revient à presque 100 000 € à l'année pour un local qui, en coût de bâtiment, les vaut même pas, quoi. Donc, le constater, c'est bien, mais maintenant, il va falloir aussi se doter de moyens d'agir, parce que énormément d'entreprises ne peuvent pas s'installer à cause de ça, ou alors périclitent à cause de ça. Ben, je pense que ce problème de manque de foncier et pour l'implantation des nouvelles entreprises, ça, on l'a bien identifié. Maintenant, répondre à votre question, de savoir légalement ce qu'on peut faire pour obliger les gens à louer ou à céder les espaces qu'ils occupent. Je pense qu'au niveau juridique, je n'ai pas tout de suite les éléments pour vous répondre. Hein. Après, maintenant, dans l'évolution future, je pense qu'il y a des zones de développement qui sont actées. Je pense que cet outil nous permettra déjà de savoir s'il y a lieu vraiment de développer ces zones ou pas.
ou peut-être effectivement de s'armer de, je dirais, de moyens juridiques pour faire en sorte que les espaces qui ne sont pas occupés puissent l'être. L'avantage, c'est que là, ça va nous faire un état des lieux, un bilan, et à partir de là, on aura des éléments bien chiffrés, de manière à ce qu'on puisse anticiper sur ce qu'on a à faire sur les prochaines qui doivent arriver. Moi, je le vois bien comme ça. Je voudrais me permettre d'apporter quelques éléments, non pas complémentaires, mais en tout cas de mon avis. Concernant les outils pour lutter contre ces genres de sujets, c'est à l'échelon communal qu'on peut ou pas s'en doter, et nous avons eu le débat au conseil municipal de la ville de Briançon, puisque nous nous sommes dotés du droit de préemption urbain renforcé. Puisqu'à ce stade, rien n'empêche une commune, si elle le souhaite, de se devenir propriétaire. Et je rappelle qu'un certain nombre de villes, et je prends toujours l'exemple de Salon de Provence, c'est un très bon exemple, puisque ce type de cas a été fréquent là-bas. On sait très bien comment ça marche. Ça reste vide. Les loyers sont trop élevés. Tout l'intérêt, et c'est pour ça que j'ai fait voter, en tout cas concernant la ville, le droit de préemption urbain renforcé, et notre capacité, justement, nous, à amortir sur une durée bien plus longue que n'importe quel propriétaire, et donc à avoir un regard un peu différent sur la politique de loyer qu'on peut proposer à une enseigne ou à une franchise. Donc ça, c'est une responsabilité. En tout cas, on aura à nouveau des débats au Conseil côté Briançon, mais en tout cas, je crois que là-dessus, j'ai pris moins mes responsabilités pour ce qui concerne la ville. Après, chacun a une vision. Et je voudrais rappeler aussi accessoirement qu'avec les maires de la vallée, nous sommes en train de lancer une étude. Alors à ce stade, pardonnez-nous, c'est vraiment très concentré Briançon-Serre-Chevalier, mais on verra ce que ça donne, si c'est une démarche qui doit être intercommunalisée ou pas. En tout cas, pour l'instant, à ce stade, nous y allons, nous, et nous le finançons, nous. Mais nous réfléchissons et nous étudions la possibilité de créer une foncière de redynamisation commerciale avec les financements de la Banque des Territoires. Avec l'idée de se dire, chère Corinne, que des sujets comme cela, on en a à l'échelle de la zone, mais enfin, on en a aussi à l'échelle de centres commerciaux type le Serre d'Aigle, et on en a... Donc voilà. Donc c'est des sujets qu'on regarde et qui sont très d'actualité. Sur le deuxième point... il faut qu'on soit très honnête là-dessus. C'est-à-dire que on ne peut pas répondre en même temps aux objectifs de la loi climat-résilience qui vise à préserver l'artificialisation des sols et en même temps multiplier la création de zones artisanales. Il faut qu'on soit très clair entre nous là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez conscient d'une chose, c'est qu'à ce stade, on consomme 8 hectares de foncier par an à l'échelle de la CCB et que les objectifs de la loi vont devoir nous faire adapter le SCOT pour qu'on passe... en dessous de 2 hectares par an, c'est-à-dire 4 fois moins dans chacune des communes que ce que nous accordons comme permis de construire sur des terrains artificialisés à ce stade. Donc, très concrètement, répondre aux engagements environnementaux que le législateur nous demande d'accorder et que je partage ne sera pas compatible dans un territoire comme le nôtre et en territoire de montagne avec la création de zones économiques. Il faut se le dire, et ça ne concernera pas que Briançon, ça concernera Embrun, Gap et la totalité du département. Il faut juste que nous en soyons conscients. Ça nous obligera peut-être à réfléchir sur la manière de construire autrement, ou de réaménager, ou de combler des friches. Mais en tout état de cause, si quelqu'un dans les Hautes-Alpes pense que dans les 10 ans à venir, on va construire des zones artisanales supplémentaires, je crains qu'il ne se trompe, parce que la loi ne nous le permet plus depuis que la loi climat et résilience a été adoptée par le Parlement l'année dernière. Je préfère être très clair là-dessus, mais il faut vraiment qu'on soit honnête et transparent vis-à-vis de nos concitoyens là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on est sous le joug de la loi qui est la même pour tout le monde, et je crois qu'il faudra être clair là-dessus sur la consommation du foncier. Ce sera très compliqué, à part compléter et élargir ce qui est déjà existant sur notre territoire. Maintenant, j'entends bien, et vous savez que je les partage, le souci que nous avons vis-à-vis des artisans, et c'est très paradoxal tout ça, parce qu'on est en train de lancer, nous, communauté de communes, un programme d'investissement sans précédent, qui va, je l'espère, participer à faire grossir un certain nombre d'entreprises artisanales. J'espère que les électriciens, les plombiers, les charpentiers, les menuisiers vont avoir un peu de boulot eu égard à ce que nous lançons. Et que naturellement, quand on a un peu plus de travail, on grossit, on embauche et on doit s'installer. Tout ça est très complexe, mais ça va devoir aussi nous obliger à réfléchir à comment construire et offrir des solutions un peu différentes. De manière générale, on va se le dire très concrètement, de l'espace foncier constructible, quand on regarde une vue satellite du Grand Briançonnais, loi climat-résilience ou pas, il n'y en a pas des tonnes, hein, à part faire une zone artisanale à la Ravée 2000, mais je crois que Gilles Perry ne va pas être trop d'accord. Ça va devenir à un moment complexe, puisque tout simplement, les limites géographiques qui sont celles de nos montagnes, on les connaît. Et justement, ça renforce d'autant plus le fait que... Enfin, c'est pas là, on ne va pas trouver une solution là maintenant, mais que l'État doit offrir des moyens justement de lutter contre ces le Covid. Puisqu'on sait qu'on n'aura pas plus de places à ouvrir, c'est pas normal qu'on ait le gamme vert qui reste fermé depuis 4 ans ou d'autres locaux comme ça, quoi.
Et... Non, mais les moyens, ils existent. Mais alors, dans ces cas-là... Non, mais les moyens, ils existent, mais je le redis juste. D'une part, il faut toujours trouver le bon équilibre avec le droit de propriété qu'on doit aussi respecter. Il y a quand même un sujet. Deuxièmement, je le redis, moi, en tout cas, concernant la ville de Briançon, j'y suis tout à fait prêt. Et on regardera les sujets, sujet après sujet. Et je le regarde d'ailleurs, puisque je regarde chacune des DIA pour des raisons d'aménagement commercial, mais aussi pour des raisons de friche. Ça, comptez sur moi, c'est des sujets qui bougeront, en tout cas, me concernant. Maintenant, je crois vraiment que cette responsabilité, elle doit être celle du maire. Il n'y a que le maire qui peut décider de savoir si à un moment il préempte ou pas, parce qu'il connaît les propriétaires, parce qu'il connaît l'acteur économique qui est là ou qui n'est pas là. Et je crois que la CCB, là-dessus, elle doit être dans un rôle de conseil, de gestion, d'aménagement, éventuellement de financement. Mais franchement, ce n'est sûrement pas la communauté de communes d'aller se fourvoyer dans l'idée de prendre la compétence des maires sur la capacité de renverser le droit de propriété. Les maires ici présents qui ont mené des déclarations d'utilité publique pour exproprier des gens, par exemple, le savent. Il vaut tout de même mieux connaître un petit peu sa population pour les mener, parce que c'est des sujets qui sont exorbitants du droit commun. Et je vous demande de vous mettre à la place de quelqu'un qui va chez le notaire pour vendre son commerce et qui se retrouve à ne pas le vendre parce que la commune lui a préempté. C'est pas extrêmement agréable. Donc je pense qu'il vaut mieux laisser cette responsabilité aux maires qui, eux seuls, ont la confiance de la population pour le faire. Que nous les accompagnons, c'est une chose. En tout cas, je compte bien que sur ces questions de gestion foncière de nos zones artisanales, nous y travaillons. Monsieur le maire de la Grave avait demandé la parole. Oui, juste une petite question et une petite réflexion, en tout cas. Nous, on a lancé le droit de préemption sur les commerces qui vont se vendre, sur certains commerces, parce que, bon, voilà, on estime qu'on a besoin... en tout cas, on n'a pas beaucoup de volume, mais on a besoin des commerces qui vont se vendre. Et en tout cas, on a lancé ça, mais ça a fait vraiment réagir. Et quelque part, ça réagit, et à mon avis, ça réagit dans le bon sens. Quant à la ZAC, par exemple, nous, à la Grave, on en avait point. On veut en créer une petite. Hein, pour 4 ou 5 artisans, et j'espère qu'on arrivera au bout. Et peut-être aussi intégrer le département dedans. Mais je partage tout à fait ton avis, c'est-à-dire que parfois, le simple fait d'instaurer le droit de préemption urbain permet de faire passer un message aux acteurs économiques plutôt très positif, qui, sans même préempter, permet d'avoir un travail un peu plus collaboratif avec eux, consistant tout simplement à dire que, vendre la boulangerie pour y mettre une assurance, c'est peut-être pas forcément souhaitable, et tenter que la commune peut vous aider à la mettre... Je devrais un peu plus loin. On a même lancé une chose, c'est la taxation sur les pas de porte fermés. On en a beaucoup à la Grave. Et là aussi, ça a fait réagir. Bon. Ben, vous voyez, les exemples existent. Et on peut se féliciter que les maires ici présents prennent leurs responsabilités. En tout cas, moi, je les en remercie. Mais cela étant dit, je pense qu'il n'est pas du tout exclu, puisque c'est ce que, Jean-Marie, tu m'as proposé pas plus tard qu'hier, que nous réunissions une conférence des maires spécifique sur ces sujets très précis de zone artisanale. Donc je pense que nous serons amenés à en reparler tous ensemble assez rapidement. Je vais mettre cette délibération au voie si le débat... Non, le débat n'est pas clos, pardon, monsieur Fine. Pareil, deux petites choses. On a parlé des ZAE. On n'a pas parlé des UTN aussi, qui viendraient impacter aussi ce SCOT. Parce qu'il y a aussi le développement touristique, il ne faudra pas oublier dans la démarche. Et je vois qu'on nous préconise donc un délai de 2 ans à partir du 21 août, qu'on arrive en 2024. Est-ce qu'on espère faire les choses un peu plus rapidement parce que 2024, on sait que les modifications de SCOT vont rentrer en 2025-26. C'est intéressant qu'on ait l'analyse rapidement pour savoir où on va. Soyons très transparents. Le SCOT, on est obligé de l'adopter avant août 2026, c'est ça ? Août 2026. Et les PLU devront être mis en conformité un an après l'adoption du SCOT. Et selon l'analyse des services, il nous faudra à minima 3 ans pour réviser notre SCOT. Donc je pense que nous devrons avoir un débat très clair là-dessus. Parce que si on partage tous la même analyse là-dessus, il faudra que nous relancions la révision l'année prochaine.
Si le débat est clos, mais je pense que l'année prochaine, c'est bien, parce qu'on va laisser passer le SRADET déjà, on va voir déjà à quelle sauce nous sommes mangés, parce que je me tourne vers Jean-Franck Viujas, qui participe avec moi à toutes les réunions, et il ne serait pas souhaitable que les Hautes-Alpes deviennent la réserve foncière de la région sud. Donc on va déjà tâcher de défendre notre petit bout de gras au sein de la région. Je vous rappelle que sont déduits... des compteurs d'artificialisation des sols, les projets d'intérêt nationaux, c'est-à-dire que la LGV qui va relier Aix à Nice, c'est 100 mètres de chaque côté de la ligne de TGV qu'on décompte de l'artificialisation des sols et qui sont déduits à tous les départements de la région. Donc rien que ces enjeux-là à l'échelle de toute la région sont déjà difficiles. Et une fois qu'on a déduit les projets d'intérêt nationaux, il faut derrière qu'on discute avec les autres. Et comme vous pouvez l'imaginer, le maire de Nice, le maire de Marseille et le maire de Toulon, ils ont quelques ambitions accessoirement eux aussi, et ils aimeraient bien avoir un peu plus de foncier dans les Bouches-du-Rhône que dans les Hautes-Alpes. Donc voilà, donc je salue le vice-président de la région qui est en charge de ce dossier, puisqu'il se trouve que c'est le maire de Fort-Calquier, donc il a une idée assez précise, David Jehan, des problématiques que nous traversons, et j'espère qu'on sera compté sur son appui pour arriver à quelque chose d'équitable, mais en tout état de cause... Partageons juste au moins l'objectif final qui est le bon. Très franchement, à l'échelle nationale, continuer à construire des lotissements de 500 ou 1000 maisons à des sorties d'autoroute un peu partout, n'importe où, dans des champs et dans des plaines, franchement, c'est quelque chose qui, à un moment, il fallait arrêter. De la même manière que dans nos montagnes, on sait tous pertinemment, et nous les premiers, qu'on ne pourra pas éternellement construire tout et partout. Voilà. Maintenant, l'application de la loi, elle sera difficile. Et je crois qu'il faudra vraiment qu'on soit un peu intelligent. Parce qu'elle sera uniforme, comme toute loi, avec des décrets d'application, et qu'en montagne, c'est toujours plus difficile, cette uniformité. Donc il faudra là-dessus que nous travaillions déjà intelligemment et que nous posions aussi à travers les parlementaires du territoire, qui, pour 2 sur 3 d'entre eux, seront élus dimanche prochain. Et je crois que ça nous rappelle que c'est important. Voilà, si vous me permettez ce petit mot positif. Je mets, si tu me le permets, cette délibération en voie. Et je vous demande s'il y a des oppositions ou des abstentions. Il n'y en a pas. Et pour vous détendre, Pierre Leroy va nous parler de vélo. Donc la délibération suivante correspond... C'est une délibération administrative, en quelque sorte. Hein. Vous le savez, on avait répondu à l'appel à projet de l'ADEME sur Avélo 2. Donc on a bénéficié des aides dans le sens qu'il est dit, hein, les 3 axes, soutenir la construction d'une stratégie de développement d'aménagement cyclable, soutenir l'expérimentation de services à vélo dans les territoires, soutenir l'animation de la promotion de politiques cyclables. Il se trouve que sur la Via Clarée, il y a eu des soucis à l'été 2019 suite aux coulées de boue et que donc des études étaient nécessaires. On les a intégrées dans le projet, sauf que c'est la commune... de Nevache, en l'occurrence, qui est sur cette affaire-là. Et donc là, c'est tout simplement une délibération qui permet de reverser les aides de l'ADEME à la commune de Nevache, qui, dans ce cadre-là, a ce projet-là. Nous, on en a d'autres, mais là, en l'occurrence, c'est Nevache qui a ce projet-là. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Oui, Madame le maire. Oui, je vais juste préciser. Donc, effectivement, c'est une convention administrative, en fait. C'est un projet qui porte sur un montant de projet de 25 000 euros. Il y a 15 000 euros d'aide de l'ADEME, et donc qui sera versé à la communauté de communes et qui sera reversé à la commune de Nevache, qui est maître d'ouvrage de l'opération. Et après, les 10 000 restants seront... à moitié à charge de Val-des-Prés et à moitié à charge de la commune de Nevache. Voilà. Et donc, on vient juste de prendre le bureau d'études qui s'appelle Géode. Et donc, c'est le bureau d'études Géode qui va effectuer l'étude. Monsieur Ray. Merci de votre présentation. Donc, dans l'esprit du maire de Villars-Saint-Pancras, je ne m'abstiendrai pas. Alors, je vous en remercie. Je me permets de dire que je trouve ça plutôt très fin. Merci, monsieur le maire du Monnetier-les-Bains. Je mets cette délibération aux voix. Madame Dardenne, voulez-vous abstenir? Vous nous parlez vélo. Oui, voilà. Ah, c'était l'occasion. Vous avez vu qu'on a le plan du VTT, si vous voulez. Hein. Voilà. Lors des commissions de préparation du Conseil communautaire, on a, à l'occasion de cette délibération, on a abordé la problématique des voies via Clarée, via Guisane,
Donc, j'étais intéressée pour que vous puissiez en reparler, et peut-être pour refaire le point sur ce qui se passe sur notre communauté de communes par rapport à ces deux... Fort bien. Ces deux avec, belles infrastructures avec, qui devraient avec, avoir déjà avec un immense plaisir, longtemps. Avec un immense plaisir, Madame Dardenne, puisque la conférence des maires réunie jeudi de la semaine dernière, Madame Michel, est arrivée à une conclusion que je partagerai avec vous naturellement à ce stade, mais qui amènerait les communes de la Clarée, qui nous l'ont proposé, et les communes de la Guisane de la même manière, a proposé à la communauté de communes de prendre la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de la Via Guisane d'une part et de la Via Clarée de l'autre, avec un cofinancement bien entendu des communes concernées à la même hauteur de leur linéaire qu'elles auraient mis si elles en avaient la maîtrise d'ouvrage, de manière à ce que nous montions une équipe dédiée, qui serait dont d'ailleurs les charges de personnel seraient refacturées dans le coût des projets, hein, et refacturées aux communes. Mais l'idée étant que la CCB puisse se doter très rapidement d'une équipe qui aide les communes à mener les DUP concernées, pour que les maires puissent procéder aux acquisitions foncières le plus vite possible, que nous présentions un seul et unique projet pour la Via Clarée et la Via Guisane à nos financeurs, État, département, région, mais surtout que nous nous saisissions de ce projet dans le plan Avenir Montagne, que nous construisions la Via Clarée et la Via Guisane, nous, CCB, en tant que maître d'ouvrage, avant de remettre l'ensemble du linéaire construit aux communes qui en assureraient l'entretien, et afin, j'en termine par là, que nous proposions à toutes les communes qui sont dans l'axe de la Via Guisane, de pouvoir se connecter à la Via Guisane, idem pour la Via Clarée, afin que nous imaginions le transport en site propre pour la mobilité douce dans notre territoire à travers ces deux dorsales. Concrètement, l'idée est simple. On part de Névache, on va à Briançon, on part de Briançon, on va à Monnetier. Et sur la base de ces dorsales, on connecte les pistes cyclables de chacune des communes à cette dorsale-là, qui permet de traverser tout le territoire. C'est ambitieux, mais c'est réaliste. C'est difficile, mais c'est faisable. Et en tout état de cause, c'est la conclusion que la conférence des maires, à laquelle la conférence des maires est arrivée, et sur laquelle je vais donc vous proposer, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce qu'on va y travailler très rapidement. Mais d'abord, j'ai souhaité qu'il y ait un échange entre tous les DGS concernés, et puis ensuite à l'échelle des 13 communes, pour qu'on puisse vraiment avoir une stratégie qui soit... comprise et conforme comme tout le monde, mais l'engagement en tout cas, si nous allons là-dedans, c'est que nous nous dotions dans les 5 ans à venir de pistes en site propre et de voies à la fois cyclables en site propre qui traversent la totalité de notre territoire de manière innovante et exemplaire. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, mais en tout cas, conscient du fait que ce sujet a été bloqué pendant trop longtemps, et tenter que nous trouvions l'accord financier, parce que l'idée, et vous l'avez compris, que tout ça soit respectueux des communes qui n'ont pas de VIA, même si l'idée de tout ça est que nous ayons un mode de fonctionnement, parce que demain, nous aurons d'autres sujets de pistes en site propre et de transport en mobilité douce. Je pense notamment au projet qui est déjà, cher Pierre, dans les tuyaux, qui relierait Presles, en réalité, par une piste en site propre, en bas des communes de Saint-André et de Saint-Pierre jusqu'à l'entrée de Briançon. Il y a des sujets dont on a parlé, cher Vincent. Bref, l'idée d'avoir un modus operandi dans lequel à la fois les communes soient responsables financièrement, parce que l'idée n'est pas que la CCB, parce que sinon, l'autre option, c'est la prise de compétence totale, mais ça veut dire que dans ces cas-là, on récupère la moitié de vos services techniques pour faire l'entretien. Je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable, qu'on vous dépossède de l'entretien et du balisage des sentiers, et en plus de ça, qu'on récupère à la CCB les services techniques et les agents de chacune des communes. Ce serait, à mon avis, quelque chose de dingue. Donc la maîtrise d'ouvrage déléguée, de la même manière que le département le fait sur le col de l'Isoard ou sur le col du Lautaret, me semble, à mon avis, être le meilleur des sujets pour arriver à avancer de cette manière. Voilà, je précise à l'Assemblée qu'on ne s'était pas mis d'accord pour que vous posiez cette question, mais je vous en remercie, parce que je n'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais comme on en a parlé très librement jeudi dernier, je vous en fais le retour. Voilà. Mais si vous voulez bien, à ce stade, je vous fais un retour de la conférence des maires. Ne considérez pas cela à ce stade comme un engagement de ma part, parce que je voudrais vraiment que quand nous y allions avec l'accord plein et entier des 13 maires, de tout le conseil communautaire, parce que si on y va vraiment comme ça, c'est pour réussir, c'est pas pour se retrouver dans le 4 ans en se disant on n'a pas réussi, ou etc. Voilà. Et je veux surtout pas que... parce qu'il faut vraiment que côté Autremanche, côté Montgenèvre, ça soit aussi partagé, parce qu'il y a des sujets de mobilité en site propre. Je veux qu'on adopte un modus operandi qui nous rassemble tous. Voilà. Je peux pas être plus clair, et je renvoie ça à une réunion très rapide.
Et il y aura un compte-rendu et il y aura naturellement un copil qui réunit toutes les communes. Je t'en prie, vas-y. Pour abonder dans les propos du président, donc moi je suis donc président du SIVM qui maintenant a la gestion du projet de la Via Guisane qui était déjà en première partie la voie douce. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que le projet est sur la table. Je ne vous cache pas que ça concerne 4 communes. Individuellement, les communes et même au sein du SIVM, on n'a pas l'ingénierie pour faire avancer le projet. C'est quand même, et je pense que ce problème-là, il va être le même sur la Via Clarée. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, si on veut que les choses avancent, il faut que, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, la CCB rentre dans la boucle, quitte après à déléguer, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour le fonctionnement. La participation des communes, ça sera entre 25 et 30%. Mais l'ingénierie, chaque collectivité ne peut pas l'avoir, puisque je pense que le problème qu'on a, nous, on traverse 500 ou 600 parcelles. Je ne vous explique pas la maîtrise foncière. Donc je dirais que le bilan que j'ai fait au bout de 2 ans, c'est que si on n'avait pas un autre mode opératoire, dans 15 ans, les choses n'auraient pas avancé. Voilà, c'était un peu le bilan qu'on a fait lors de la conférence des maires. Mais je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail quand on parlera de ce projet au sein du Conseil. Merci beaucoup. Je reviens à la subvention et à la démarche à vélo concernant la commune de Névage. Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Et je présente très rapidement la délibération 17, qui est ni plus ni moins que le soutien à la candidature du PETR pour le contrat d'objectif territorial. C'est une démarche qui nous permet d'aller vers l'ADEME et de continuer à lever des fonds qui sont bien importants pour nos communes, mon cher Pierre. Juste un petit mot rapide. Vous avez tous dû recevoir une invitation pour le prochain leader. C'est une réunion qui est très importante. La dernière fois, en 2017, nous étions 100 à travailler sur le prochain leader. C'est donc le mercredi 22 en matinée à l'Iscle de Presles, dans la salle de l'Iscle de Presles, et on vous attend vraiment, parce qu'il faut que vous veniez, hein. Ça va être très stratégique. C'est là où on va décider des axes qu'on va présenter à l'Europe pour avoir les subventions, les 4 millions d'euros qui vont revenir sur le territoire pendant les 5 années qui vont suivre. Donc là, c'est 60 entreprises qui ont été subventionnées ces dernières années, avec cet argent, et des collectivités aussi. Donc, par exemple, le sujet qu'on abordait tout à l'heure sur les friches, sur tout le problème du foncier, ça peut tout à fait faire l'objet d'axes pour les 3 communautés de communes, par exemple. Si vous décidez qu'on lance un cadastre qui mesure toutes les friches, tous les biens vacants pour les entreprises, ça, c'est tout à fait possible. Mais si on n'en parle pas, on ne le met pas dans le contrat. Donc il faut vraiment que vous veniez, parce qu'on a besoin de vous, et on a besoin aussi que vous fassiez venir les socioprofessionnels, tous les gens qui s'intéressent au développement du territoire. Je vous dis, on attend plus de 100 personnes pour bosser là-dessus. On a commencé à travailler là-dessus avec les élus des 3 communautés de communes cet après-midi. On a déjà déblayé un petit peu les axes, mais on a vraiment besoin de votre présence, j'insiste. Ça se termine par un repas le mercredi midi, donc toute la matinée, on vous attend. Repas bio, naturellement, dont le menu sera concocté par Pierre Leroy lui-même. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Jean-Marc Chiaponi. Merci, Monsieur le Président. La CCB va réaliser dans le cadre d'un groupement de commandes avec la mairie de Servières des travaux coordonnés d'assainissement, de réseau d'assainissement, de réseau d'eau potable, de réseau d'eau pluviale. Ces travaux doivent durer 3 mois, et si on veut respecter, ils doivent démarrer à la fin de l'été 2022. C'est pour être livrés sur le début d'année 2023. Si on veut respecter ces délais, il est nécessaire de faciliter la passation de marché et d'autoriser le président à signer ces 10 marchés sans attendre le conseil communautaire du 13 septembre, sachant que la limite des offres est pour le 30-06. Sinon, on dépasserait les délais pour la planification. Merci. Et on salue les travaux qui ont été réalisés déjà à Servières, notamment sur la steppe de Terre Rouge, et les entreprises qui ont d'ailleurs particulièrement bien travaillé, que je salue. Voilà.
je me permets de le dire parce que c'est souvent le cas, on oublie que derrière les travaux, enfin on l'oublie pas, mais enfin il faut le dire. Voilà. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Madame la vice-présidente chargée de la culture, chère Catherine, pour 3 délibérations culture que j'imagine tu voudras peut-être présenter, au moins pour les 2 premières, ensemble. Oui, alors la culture est très administrative ce soir. Donc effectivement, j'étais tentée de présenter la 19 et la 20 parce qu'elles sont redondantes, sachant qu'on avait une délégation de services publics qui était entrée en vigueur le 2 avril 2016 entre la CCB et la MJC Centre Social pour la gestion du cinéma Art-Essai. Elle a été reconduite jusqu'au 1er avril 2022, puis jusqu'au 15 juin 2022. Nous avons lancé une délégation de service public. La seule structure à répondre a été la MJC, donc au mois de janvier 2022. Et il se trouve que, comme on en a parlé précédemment, on est sur un projet de centre social intercommunal. Donc l'idée dans la première délibération est déclarer sans suite la procédure de délégation de service public, sachant que la MJC va être dissoute au fin décembre 2022. Et dans l'esprit d'une continuité de service public, il est donc proposé de prolonger le laps de temps qui reste jusqu'au 31 décembre 2022. Je ne sais pas si j'ai été vraiment claire. Ça l'est. Si ça n'appelle pas deux questions, je mets du coup la délibération numéro 6, Madame Dardenne. Oui, par rapport à cette délibération, justement en commission, on a posé la question du après le 31 décembre 2022. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur cette situation? Le après, je veux dire, c'est exactement comme le après pour la mise en place du centre social intercommunal. Ça veut dire que ce laps de temps va nous permettre de réfléchir pour savoir justement quel va être le mode de gestion le plus adapté pour le cinéma, sachant que vous l'avez vu dans la proposition des postes, il y a les deux projectionnistes. Donc ça, c'est une chose qui a été vraiment demandée et qui est, je pense, très importante par rapport au devenir du cinéma d'art et d'essai. Et en ce qui concerne le mode de gestion, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce qu'on est en train de réfléchir DSP, régie directe, etc. Enfin, comme habituellement, comme ça vous avait été présenté au moment où on a voté le fait de reconduire une procédure de délégation de service public. On n'était pas sûr au départ de mettre en place une DSP. Il y avait un certain nombre de modes de gestion qui pouvaient être retenus. Donc c'est exactement dans la même idée qu'on se donne les 6 mois, voire 8 mois restants, pour voir comment on va gérer ça, sachant que la volonté est de garder le cinéma d'art et d'essai là où il est. Voilà. Ça répond à votre question ? Eh bien, c'est merveilleux, c'est déjà pas mal, comme dirait l'autre. Merci, je mets la délibération numéro 19 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et je mets ensuite la délibération numéro 20 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole, Madame la vice-présidente, pour la DSP Théâtre. Alors, la DSP Théâtre, c'est aussi administratif, mais c'est autre chose, là. On a relancé une procédure de délégation de services publics, puisque le contrat arrivait à échéance le 30 avril 2023. Et dans le contenu du cahier des charges et dans les caractéristiques futures du contrat, on était en fait sur du fonctionnement. Et il se trouve que, administrativement parlant, si on considère les critères légaux, s'il n'y a pas dans le cahier des charges d'investissement qui est notifié, on passe à une délégation qui est proposée pour 5 ans et pas pour 6 ans, comme ce qu'on avait fait. Donc il est proposé, pour être dans un cadre légal, de présenter cette délégation, cette procédure pour 5 ans et pas pour 6. Merci. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. J'ai le plaisir de vous présenter, si Jean-Pierre m'y autorise, le Fonds de solidarité territoriale, parce que vous le connaissez maintenant, et de vous donner juste très simplement la liste des opérations concernées.
La réflexion des blocs sanitaires du camping des Alberts, mon cher Guy, pour 7 325 €. L'aménagement de l'ancien presbytère sur la commune de Villars-Saint-Pancras pour 114 180 €. La réflexion de voirie communale à Villars-Saint-Pancras pour 29 468 €. À Villars-d'Arène, la création de l'aire de camping-car pour 15 867 €. La rénovation du cours de tennis et création d'un multisport pour 37 485 € à Villars-d'Arène, toujours. À la salle Les Alpes, 67 939 € pour de la réflexion de voirie communale. Il s'agit des chemins des Glétières, des Cires, du Ruisseau, de Moulin-Taravelier et de l'allée du Plariol. Je ne vous ai pas précisé qu'à Villars-Saint-Pancras, il s'agit des réflexions des rues de la Jalasse, des Armoises, de Rochemotte, du chemin de Saint-Pancras, de la rue principale du Bourg et l'impasse du Mail, conformément au plan. Donc c'est un plan de financement à 142 000 € dans lequel 29 000 est demandé. Et je termine avec, s'il vous plaît, la commune de Névache pour 994 € pour la réfection de l'appartement de l'ancienne poste, Monnetier-les-Bains pour 2 400 € pour des travaux de peinture au cabinet médical, la ville de Briançon enfin pour les travaux de réfection de la cantine de l'école de Pont-de-Servière pour 21 300 € et les travaux de réfection et d'élargissement de l'école de la cantine de l'école de Fortville pour 26 400 €. Et enfin, toujours à Briançon, la réfection de deux squares, le square Termier pour 8 736 € et le square Jean-Rousson pour 26 250 €, ce qui nous fait une consommation dont j'ai oublié le montant et que je n'ai pas sur la délibération, une consommation qui est de 350 000 euros, qui s'ajoute à la première tranche qui était de 250, dont son DOM a un peu plus de 600 000 sur le 1,5 million. Il restera naturellement une programmation automnale. En tout cas, je me félicite que ces projets voient le jour. Et vous voyez en plus de ça, et ça paraît logique, qu'il y a un roulement sur les communes, mais celles et ceux qui ont lancé des projets importants ces derniers mois tournent, et c'est normal. Je ne sais pas si ça appelle à des remarques, mais en tout cas, c'est tant mieux si tout cela avance. C'est le concret de la communauté de communes dans le territoire. Mesdames et messieurs, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. Et nous terminons ce conseil communautaire sur une note que je crois plutôt très positive, en passant la parole à Madame Michel sur un sujet qui concerne l'actualité de l'été, presque, on pourrait le dire comme ça. Effectivement, merci Monsieur le Président. Donc cette délibération concerne la résidence des travailleurs saisonniers, donc qui est située, comme vous le savez tous, à côté de la Grande Boucle. Il a été décidé, donc afin de faciliter l'hébergement des personnes exerçant des missions de service public, de réserver 4 appartements sur les 34 qui sont situés dans cette résidence à des tarifs spécifiques. Donc je répète, bien évidemment, pour les personnes exerçant des missions de service public. Vous avez dans la délibération les tarifs qui sont indiqués. Donc ça équivaut à peu près à moins 30% sur le tarif, actuel. Il convient aussi, bien évidemment, d'acter les demandes de prélèvement sur caution pour, bien évidemment, les dégradations constatées et les ménages non réalisés au départ du résident. Et je vous donne aussi l'information que l'on m'a donnée à l'oreillette, que la résidence est quasiment pleine et qu'il reste 2 appartements. Voilà, donc c'est plutôt très positif pour l'été, parce que c'est vrai que cette résidence, généralement, sert énormément l'hiver, un peu moins l'été, mais là, en l'occurrence, on peut voir qu'elle sert très, très bien, et d'autant plus avec cette facilité pour les personnes exerçant des missions de service public. Et je crois qu'on partagera tous le souci d'aider à la fois les questions d'animation et puis bien entendu nos sapeurs-pompiers dans des questions et dans des sujets extrêmement difficiles, notamment à l'été. Donc c'est, je crois, une bonne mesure. Je vais mettre donc cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et l'ordre du jour... Juste, j'en profite, excusez-moi, Monsieur le Président, d'avoir la parole. Et je vois Monsieur le maire de Montgenèvre. La parole, pardon, la parole.
Je vois monsieur le maire de Montgenèvre se servir des petits fascicules concernant l'espace VTT du Grand Briançonnais. Donc vous êtes tous au courant, bien évidemment, qu'il y a un espace VTT dans le Grand Briançonnais qui fait partie, enfin c'est les circuits FFC, donc ils sont gérés par la communauté de communes. Et donc vous avez la carte qui a été refaite cette année, et donc en plus, bien évidemment, des voies qui concernent ou qui sont actuellement utilisées par les VTT ou par les piétons, vous avez un espace qui est dédié, bien évidemment, et qui traverse tout le territoire de la communauté de communes via des sentiers très bien entretenus, très bien balisés et avec une vue magnifique. Voilà. Juste une précision, je vois un sentier qui fait le Monnetet des Bains jusqu'au col de l'Échaudat. On est d'accord qu'il est autorisé avec un moteur électrique dans son VTT. Bon, les sportifs répondront. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant clos, je lève le conseiller communautaire. Oui, madame Dardenne. Oh, pardonnez-moi. Elle vous a d'ailleurs été envoyée par mail. Madame Dardenne, je vous en prie, présentez votre motion. Merci. En fait, vous avez tous reçu, puisque je vous l'ai envoyé il y a quelque temps, et là, je pense, il y a quelques jours, elle a été à nouveau envoyée. Vous avez tous reçu donc un message émanant du collectif de défense de l'étoile de Veynes, de l'étoile ferroviaire de Veynes, pour tirer la sonnette d'alarme sur le projet de la région de supprimer des cartes avantages, la carte Zou 50-75% d'une part, la carte avantage senior sur les TER donc, de notre région, et on a appris aussi dernièrement que les cartes 50% pour les enfants de 4 ans à 12 ans étaient aussi supprimées, en vue, bien évidemment, pour M. Cérus, vice-président en charge des transports à la région, de proposer une nouvelle grille d'abonnement. Ceci dit, après étude de ces nouvelles grilles, on s'aperçoit que c'est vraiment des tarifs beaucoup moins intéressants qui vont être proposés à la population et de la région, mais aussi de nos touristes, puisque ça touche tout le monde, ça touche autant la population de notre territoire que les touristes qui viennent chez nous, et ça touche d'autant plus les territoires comme le nôtre, éloignés des grosses agglomérations qui, eux, ont des tarifs beaucoup plus intéressants, puisqu'ils ont pris des compétences et ils ont pu travailler sur ces dossiers bien en amont. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, que le train, par exemple, pour aller de Marseille à Briançon, le tarif plein, est-ce que vous connaissez le montant du tarif plein pour une personne pour venir à Briançon? Ben, c'est l'équivalent de 49,10 €, donc 50 €. Donc une personne qui veut venir à Briançon de Marseille, ne serait-ce que si, même en venant seule dans sa voiture, c'est plus intéressant financièrement de venir seul dans sa voiture. C'est bien bon. Plus intéressant. Est-ce que vous, Francine, avec Madame Dardenne, puisque tout le monde a eu votre motion et en a pris connaissance, je vais vous demander si vous voulez de terminer votre propos, que je puisse vous apporter quelques éléments de réponse et après donner la parole au maire de Villers Saint-Pancras. Vous n'avez pas mis les tarifs. Donc pour une personne seule, c'est 49,10 €. Pour un adulte avec deux enfants, on arrive à 147,30 €. Allez. Donc pour l'aller-retour, on se retrouve avec des montants quand même bien plus importants. Alors qu'avec la carte Zou, aujourd'hui, c'est 50%. Alors qu'on va se retrouver ensuite avec des tarifs autour de 30% de réduction pour la prochaine grille qui va être mise en place. Donc c'est une sonnette d'alarme que les collectifs et les associations tire. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai envoyé ces courriers et ces possibilités de prendre dans vos communes des motions
ou d'interpeller la communauté de communes, et donc aujourd'hui, excusez-moi, ou d'interpeller la région, comme l'a fait par exemple Claudine Chrétien pour la commune de Névache, puisque Claudine insiste notamment sur le fait que si les associations et les usagers ont été écoutés, pas entendus par le vice-président en charge des transports à la région, les communes, elles, n'ont pas été du tout sollicitées par rapport à ces modifications qui sont des modifications très importantes par rapport à la mobilité. On en a parlé lors de ce conseil communautaire. On est tous persuadés... Vous me permettez de vous répondre, s'il vous plaît. Tous persuadés qu'il vaut mieux avoir 100 personnes dans le train qui paye 1 euro plutôt qu'une personne qui paye 100 euros. Parce que c'est d'autant moins de voitures sur la route. Et c'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui par rapport à la transition écologique et par rapport aux problèmes climatiques. Je peux vous apporter des éléments de réponse ? Je vous remercie. Bon, alors je vous apporte à la fois les éléments de réponse que j'ai demandé à la région et en plus de ces éléments de réponse, une décision qui va être annoncée à ma demande. En tout cas, j'en ai fait la proposition et elle a été adoptée. Et j'espère que ça répondra à vos attentes. Bon, sur les informations. Parce que je pense que, après vous pouvez avoir l'avis que vous souhaitez naturellement, mais je pense que dans ce que vous dites, il y a une interprétation qui n'est pas forcément tout le temps très juste. Bon, d'une part, il y avait 240 tarifs différents entre les TER et les tarifs départementaux des lignes de car. C'était extrêmement important. Et l'idée de la nouvelle gamme tarifaire, c'est de passer à une dizaine de tarifs. C'est pas forcément totalement idiot, d'autant plus que sur les billets unitaires de trajet de lignes de car LER, on se retrouve avec un tarif unique de 2 euros et des abonnements hebdomadaires, mensuels et annuels que vous connaissez. Tous les abonnements de 20 ou 30 trajets par mois sont pérennisés à des fins d'accompagnement du télétravail et il y a la création d'un abonnement de 10 trajets par mois pour les déplacements occasionnels, ce qui me trouve être une bonne solution. Ça, non mais laissez-moi finir, je vous interromps pas, vous avez parlé 20 minutes, donc laissez-moi au moins vous répondre. Bon, première idée, c'est de la simplification. Deuxième chose, l'idée d'une gamme tarifaire que la région présente comme plus solidaire, puisqu'elle a vocation à amener le nombre de bénéficiaires profitant et bénéficiant des tarifs sociaux de 500 000 personnes aujourd'hui qui en bénéficient à 1 million, soit 20% de la population régionale, avec des modifications substantielles sur le quotient familial qui me semblent être très intéressants. Et enfin, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai le droit aussi, moi, de vous donner les éléments que me communique la région. Maintenant, faites-vous lire à la région et allez dire à Renaud Muselier que vous n'êtes pas d'accord. Donc, mais voilà, donc soyez candidate, c'est très bien. Maintenant, on a le droit de vous donner les éléments s'ils ont pensé leur gamme tarifaire de cette manière-là. En plus de cela, il y a deux créations importantes. C'est la création d'un amendement mini-groupe pour rendre les trajets qui sont aujourd'hui en train ou en LER compétitifs par rapport aux trajets en voiture, avec un abonnement de 30 euros par an qui est progressif en fonction du nombre de personnes qui sont accompagnantes. Ça, c'est pour répondre aux questions de covoiturage que je trouve plutôt intéressantes. À 2 voyageurs, on est à 30%. À 3 voyageurs, on est à 40%. À 4 voyageurs, etc., on monte jusqu'à 50% avec 5 voyageurs. Et enfin, c'est justement pour ça que la carte 50-75, elle est supprimée. C'est justement pour financer ces nouveaux tarifs. Je vous précise à tout le moins qu'à la suite de ces concertations, il y a plusieurs décisions qui ont été prises et je les trouve plutôt favorables. La première, c'est la création d'un abonnement complémentaire Flex 10 qui permet de réaliser 10 trajets par mois avec 55% de réduction. Je trouve que ça répond à pas mal de situations. La deuxième, c'est la création d'une carte de réduction à 30 euros par an qui offre 30% sur l'ensemble du réseau pour le titulaire de la carte et un accompagnant.
je trouve à nouveau que c'est quelque chose de très intéressant. Et l'engagement d'une étude qui démarre immédiatement avec une décision avant la fin de l'année sur un abonnement annuel open access sur l'ensemble des réseaux régionaux, et c'était une des grandes demandes que de pouvoir accéder de manière uniforme à tout le réseau. Et last but not least, et je pense que, enfin j'espère que vous trouverez ça intéressant, mais en l'occurrence, pour le coup, ça c'est ma demande très, très claire, c'est que d'ici à fin 2023 sera créé un barème kilométrique régional pour le TER qui sera spécifique à la ligne des Alpes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on s'est aperçu que la distance réelle et la distance à vol d'oiseau, si j'ose dire, elle n'est pas du tout à notre avantage. C'est-à-dire que globalement, faire un Marseille-Nice dans le barème kilométrique qui donne lieu aux réductions, c'est beaucoup plus avantageux, alors que pour autant, entre un Briançon-Marseille, ça l'est beaucoup moins, alors que ça prend beaucoup plus ou tout autant de temps. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette idée, je l'ai soumise, et elle devrait être annoncée dans les tout prochains jours. Nous aurons un barème spécifique pour la ligne des Alpes. C'est la reconnaissance aussi par la région de notre spécificité montagne, et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà les éléments que je pouvais vous apporter. On ne sera forcément pas totalement d'accord. Je vous demande juste, en tout cas, de respecter le fait qu'il y a une volonté de la région aujourd'hui qui est à la fois de simplifier et de faire... Voilà, maintenant, c'est le débat d'idées. Et en tout cas, j'ai tâché de vous apporter les éléments de réponse. Y a-t-il d'autres prises de parole avant que je mette la motion aux voix? Pierre Leroy. Juste suite à la discussion qu'on avait eue l'autre jour, d'ailleurs c'est avec Elisa, on en avait parlé, on avait proposé de solliciter notre conseillère régionale, mais bon, entre-temps, tu l'as fait. Donc moi, j'avais appelé Agnès Rossi 10 minutes après notre réunion l'autre jour pour lui dire alors qu'est-ce qu'il en est. Donc elle m'a dit qu'elle avait, elle, pas du tout les éléments en sa possession, qu'ils ont une réunion qui est prévue là, dans les jours qui viennent, pour pouvoir justement éclaircir tout ça. Elle, ça l'interroge à plusieurs niveaux, et je pense qu'elle a été sollicitée par d'autres gens que nous. Hein. Donc elle m'a promis de revenir vers nous pour donner des éléments, mais là, à ce jour, moi, j'ai rien de... J'ai en tout cas pas les réponses que toi, tu as eues là. Que je viens d'avoir, voilà, sur lesquelles j'ai travaillé ces 48 dernières heures. Monsieur le maire de Villars-Saint-Pancras. Au vu des débats et des questions qui étaient posées initialement, je pense qu'il fallait qu'on ait des réponses par rapport à une motion qui arrive et qui est plutôt partisane, c'est clair. On a ces réponses qui sont apportées. Moi, je rajouterais quelque chose avec la discussion avec la conseillère régionale. Il semblerait que le vice-président souhaiterait rencontrer les collectivités pour échanger sur ce sujet-là. Donc moi, je prendrai ma décision une fois que j'ai les deux éléments en main et pas en amont de ces deux éléments en main. Très bien. Merci. Je passe la parole à Mme Xioza et je clôt les débats ensuite. Oui, c'est vrai que si on arrive à avoir ce tarif lié au vol d'oiseau plutôt que à tous les virages qu'on fait kilométriques, les 30-50%, ils sont garantis. Hein. Ça sera et je crois, à mon avis, que c'est la manière de s'en sortir le mieux possible. Gagnant. Merci. Je vais mettre du coup cette motion aux voix. Quels sont les votes pour la motion ? Très bien, il y en a 2, 3 et 4. Quelles sont les abstentions ? Il y en a 1. Quels sont les votes contre la motion ? Je vous remercie. La motion n'est pas adoptée. La séance est levée. Bonne soirée à tous.